installer un logiciel aussi en même temps parce que il me saoule, genre vraiment ce logiciel me saoule. Donc voilà, c'est pour ça. Mais pourquoi il veut pas m'afficher la Switch? Voilà, normalement il devrait m'afficher la Switch. Je l'espère. Waouh! Incroyable! Bon allez, c'est bon, on va pouvoir jouer à Pokémon Perle Cynthia. Vous aurez une rediffusion, donc sans problème sur Twitch d'ailleurs. Sans problème, sans problème. Vous aurez une rediffusion sur Twitch, donc illimitée, comme ça vous pourrez la regarder quand vous voulez, quand vous le souhaitez. Hop. Donc normalement j'ai tout supprimé, si je dis pas de bêtises. J'ai réussi à tout supprimer. Ouais, j'ai supprimé un truc en fait qui permet de... Parce que moi j'essaie d'installer un logiciel pour la caméra, pour avoir une meilleure gestion de la caméra. Voilà, ça va, la caméra reste de bonne qualité, mais c'est juste que des fois, c'est un peu saoulant. Je vais peut-être mettre les... Oh bah ouais, non, ça sert à rien de les mettre maintenant, les lumières derrière. Je les mettrai peut-être plus tard. On est parti pour quelques heures quand même, hein. On est parti pour quelques heures ensemble, donc j'espère que vous allez kiffer. Et du coup, on est parti, on va se mettre ici. Non, là. Là, voilà, merci. Je vais mettre le jeu. Tant pis, je vais le faire sur le stream deck. Hein. C'est fait pour ça à la base. Hop. Let's go! Let's go! Pokémon scintillant! Perle scintillant, j'espère qu'il y en a, vous l'avez pris en vrai, parce que le jeu, il est vraiment sympa. Ça reste un jeu qui a été vraiment... C'est un remake total. Donc, oh, on en était à presque Vestigion. On n'est pas loin, on a fini la forêt de Vestigion. Donc, on va pouvoir aller à Vestigion. Donc, oui, je suis arrivé à Vestigion à soi. Mais... Moi, je vais surtout m'entraîner, c'est de... Voilà, tu vois, hop, ça, on les combat s'il faut les... Si, on peut pas? Ah! Moi, j'étais chaud pour les fights! Et on est arrivé à Vestigion, déjà, ça passe vite. On est déjà à Vestigion! Ouais, bah, on a vraiment... on n'a pas ramé hier, hein, à vrai dire. Attendez la carte. Oui, on est déjà ici. Je pense qu'après, la prochaine, ça va être Frimapic. Non, c'est Union Police, pardon. Après, ça, c'est quoi, ça, déjà, comme ville? Celestia, voilà. Je crois que ma ville préférée, ça reste... Bon, en vrai, ça rappelle tellement de bons souvenirs que... C'est trop nostalgique, en vrai. C'est trop, trop nostalgique. Et je sais plus ce qu'il y a là-haut, en fait. Alors, il y a quoi, au juste? Aire de survie. Et ah, c'est les aires de combat. Oh là là, je m'en rappelais tellement plus. Oh, ah, mais d'accord. Ah, c'est les aires de combat. Oh, mais j'étais complètement perché. Et oui, il y a le mont couronné aussi. Oh là là, ça rappelle. Waouh, ça. Ça. C'est vieux, hein. Jolie berge. Ah ouais, ok. On est bien, on est bien. Ah, ça rappelle de bons vieux souvenirs. Bon, on va jouer au moins jusqu'à 14h aujourd'hui. Donc, on va jouer 11, 12, 13, 14. Bon, on joue 4h, quoi. Donc, j'espère que vous allez kiffer. Et puis, sinon, vous voulez vous mater la rediff, bah, n'hésitez pas. Bah, je crois que mes Pokémon sont déjà. Non, mais ça sert à rien. Mes Pokémon sont déjà. Par contre, on a le multi-XP direct. Ça, c'est un truc, je trouve ça trop cheaté. Regardez, mes Pokémon, ils sont déjà level 20. La Vestigion, l'arène de Vestigion va être easy, hein. Enfin, oh, les bicyclettes. Oh, on va avoir une bicyclette, mon pote. On est là ou quoi? Enfin, je crois, c'est possible. Alors, je sais plus où c'était. Oh, mais attends, cette ville, je l'aime beaucoup, en vrai. Vous savez pourquoi? Oui, certes, il y a les Team Galaxy. Il va falloir les fight. Ah, c'est... Oh, c'est Celestia, tiens. En parlant d'elle. C'est la... Alors, je spoil pas trop, mais bon, bref, je spoil. C'est la championne de la ligue, tout simplement. Bon, ça va, en soi, elle est plutôt bien faite sur le jeu. Cynthia, mais mon passe-temps est d'étudier les mythes sur les Pokémon. Mais pas que, je suis aussi le maître de la ligue. Allez! Bon, après, voilà, si vous connaissez la base de la quatrième génération avec Aurore, Sacha et je crois qu'il y avait Pierre à cette époque. Si vous avez vu les épisodes, franchement, vous connaissez le jeu. Et puis, si vous avez fait le jeu, ben voilà, vous connaissez le jeu, quoi. Donc. Je peux pas, c'est pas du spoil là, c'est déjà, voilà, ça existe déjà depuis des années quoi. J'ai un cadeau pour toi, ça devrait être utile. Vous obtenez la CT93. Ça sert à quoi déjà? Ah mais c'est une CS, ah oui d'accord, ok. Oui, enfin c'est une CS, une CT, mais pour accéder à des endroits inaccessibles autrement, ok. Ben là pour l'instant, il faudrait que je fasse l'arène d'abord, je crois. Je voudrais aller visiter là où il y avait la statue de Palkia. Bah, du coup, Dialga. Pourquoi c'est Dialga alors que ça devrait être Palkia, logiquement? Ah, je sais plus. Alors, je crois que non, si c'est peut-être Dialga en fait, de base. Il y a une inscription sur la statue du Pokémon à sa naissance, Palkia. Ah, il parle de Palkia, mais là, c'est Dialga. Ah non, c'est les deux peut-être. Ah, si, les deux. Mais mélangé en fait, d'accord.
Ou pas? Non, peut-être pas en fait. Non, non, j'ai rien dit, c'est Dialga. Créer différents espaces parallèles. Dans la vie comme dans le monde, nous parcourons les espaces, ok, tout ceci grâce à Palgrave. Ok, certaines lettres sont pratiquement effacées. Ok. Ah, ça rappelle. Oh, je vous jure, c'est hyper nostalgique. Hein. C'est trop bien. C'est trop trop bien de pouvoir jouer à ce jeu. Alors oui, bon, la team Galaxy, on va s'en débarrasser dans pas longtemps. Je voudrais juste voir qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon ici déjà. Juste pour information. Oh, Galopa, enfin Ponyta. Oh, j'hésite à le capturer du coup. Oh, j'hésite beaucoup même. Un type feu, j'en ai pas. Apparemment, là, je vais l'éliminer de suite. Je vais changer de Pokémon, je pense. Le Pokémon le plus faible, c'est Machoke. Donc, on va essayer d'envoyer Machoke. J'ai pas envie de le fight. Enfin, j'ai envie de le capturer, le Ponyta. Ah, il donne envie. Ah, arrêtez, il donne envie en vrai. Ça va, tu vois, ça passe. Ok. Je vais utiliser Mimikyu. Ok, pourquoi pas. D'ailleurs, vous avez toutes les qualités de live. J'ai même pas posé la question, mais. Mais en tout cas, c'est très probable. Ah, bon, il y a. Ok, il y a des. Super. Il y a les publicités, on adore. Mais oui, vous avez toutes les qualités de live, c'est le principal. C'est ce que je voulais. On est parti. Bon, le son du jeu est pas trop fort non plus. Je vais mettre un petit. Oula, je sais pas quoi mettre là. Une petite balayette peut-être. Yes, c'est bon. Bah là, on peut large le capturer. Bah, tu fais X, Pokéball, let's go. Ah, nickel, nickel. Impeccable. Hop. Et ben voilà. On a capturé Ponyta, du coup. Alors, voyons voir. Machoke. Ok, bon, il monte pas forcément de niveau. Enfin, on s'en fout. Hop, Pokédex, nickel. Ponyta a rejoint votre équipe. D'ailleurs, j'essaierai de peut-être capturer tous les Pokémon de la enfin, de toute la région qu'il y a. Ça pourrait être un grand challenge pour moi. Bah, attendez. Oh, il y a tellement de vélos. Oh, ça va être top de le voir en vélo en vrai, je trouve. Non? Je sais pas si on va pouvoir se balader avec notre Pokémon à côté. Ça serait trop bien aussi. Mais ça, je pense qu'ils l'ont pas mis. Hein, parce que bah, c'est la version. C'est dommage en vrai, parce que d'un côté, ça aurait rajouté un plus de pouvoir nous balader avec notre Pokémon. On est direct dans l'arène là, direct. Sans aucune pression. Cette arène a une particularité, il faut vaincre tous les dresseurs qui s'y cachent pour avoir le droit de défier la championne. C'est-à-dire moi. Sur ce, bonne chance, je t'attendrai au fond. Ok. Oh, c'est trop bien fait en vrai. En vrai, là ouais, c'est bien fait. Bon, je les vois déjà. Je vois déjà tous les dresseurs qu'il faut éliminer d'abord. Qu'il y en a un qui est là. Hop. Comment tu m'as trouvé? Ben, je te vois en fait. C'est désespérant. Bref. Mélodie la fillette envoie un cerible. Nice. Ben en vrai. Avec Primplouf, ça va pas être difficile non plus parce qu'ils sont au niveau 15, mais. Un pic-pic, ouais, ça devrait être pas mal déjà. Ok. Je voudrais tester Ekrasfast, mais un type normal, je sais pas si. Oui, on va voir. Ouais, c'est pas. En vrai, j'aurais dû utiliser Pic-Pic. Ça va régène, non? Ou c'est sa défense qui monte? Ah non, il régène en plus. Ah, et beaucoup en plus! Ah la vache, sa régène, elle est assez élevée, ouais. Ah, c'est bon. Et un coup critique en plus. Nice, ciao! Je sais pas si elle a plusieurs Pokémon ou pas, j'ai pas regardé. On va voir Roselia. Ah, Roselia aussi, j'aime beaucoup. Il y a plein de Pokémon que je vais capturer que je vais pas forcément utiliser de suite ou pas. Déjà, Riolu fera partie de mes Pokémon qui vont me faire partie de mon équipe, ça c'est clair. Ça c'est clair et net. Ah oui, Riolu, obligé, tu vois. Ah non, ça j'aime pas du tout. Ça va me prendre de la vie encore. Ça gêne de beaucoup ou pas? Ah, ça va un petit peu quand même, mais c'est pas non plus abusé. Encore.
Putain, en vrai. Très embêtant, très embêtant. Bah allez, let's go, on continue, on se bat. Même si elle régène un peu, c'est pas grave. On est déjà à la deuxième arène, mais là il va y avoir aussi les Team Galaxy à battre. Bah dans chaque ville quasiment, hein, va falloir les fight de toute façon. De s'en débarrasser parce qu'en fait ils vont être mon couronné, machin. Le truc classique. On prend un pouf, elle me l'a mis vraiment en danger en vrai. Nice, Macho qui montait de niveau. Mais Ponyta pas énormément en vrai. Est-ce que c'est pas parce que c'est le quatrième Pokémon? Là peut-être qu'il y en a un, je sais pas, peut-être là, non. Bon, il y a rien pour l'instant. Allez, le deuxième, il m'a manqué un troisième dresseur à battre et on est bon. Allez. Un rose bouton. Ah ben. Les attaques de type feu, en vrai, elles seraient bien, mais le problème... Excusez-moi si j'ai éternué, mais... Bah déjà, il a presque plus de vie, donc... Obligé de mettre ça, pic-pic, hein. T'es déjà à fond. Allez, je remets pic-pic après. Salut Dan, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ça va, tu t'as pas raté beaucoup de live, t'as raté peut-être 10 minutes. Je suis sur la deuxième arène. Ouais, la forme, ça va, écoute. Oh, il a régène entièrement, rose bouton qui casse les pieds. Ah, c'est bon, je l'ai one shot. Impeccable. Écoute, moi ça va très très bien. J'ai désinstallé un petit logiciel qui casse un peu les pieds. Pour la caméra en fait, c'est un logiciel de caméra et je l'aime pas du tout parce qu'en fait, enfin c'est le logiciel pour la caméra que tu vois là, enfin que tu vois là, qui m'éclaire en fait, c'est parce qu'elle a beaucoup plus de... Le logiciel a beaucoup plus de spécificités, de réglages en fait. Et du coup, j'arrive pas à l'installer. Je sais pas pourquoi il veut pas s'installer. Du coup, ça me casse un peu les pieds. Voilà. Ça va, le son du jeu est pas trop fort? Alors j'ai Ponyta, Luxio, Machoc qui font partie des acolytes de mon équipe. J'ai un peu diversifié les trucs donc ça va. Comme si j'étais en avance. Bah là ça va. Ça va, là c'est, là t'es en avance par rapport à hier où t'es arrivé sur les 20 dernières minutes. Bon après tu pouvais pas savoir. Mais là demain ouais je vais refaire un live. Je live jusqu'à 14h là aujourd'hui. Je vais pas refaire un live après parce que cet après-midi j'ai des tournages de vidéos à faire. Donc ça risque de me prendre un peu de temps. Ouais, j'ai pas mal de tournages à faire, ouais. Bon, pic-pic, ça devrait suffire normalement. Mais Volvi... Oh, je crois qu'il va peut-être me faire crever. Va falloir que je... Ah, vas-y. Ah, j'aurais pu le one-shot. Est-ce que je vais attaquer en premier ou pas? Non. Repos encore, hein, encore. Ah, le logiciel, il veut pas s'installer. Je suis en train de le réinstaller, mais il veut pas s'installer. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est complètement bugué. Alors c'est peut-être parce que ma caméra est actionnée. Du coup, bah, ça ne marche pas. Pourtant, il y a quelques temps, ce logiciel marchait très bien. C'est pour ça que j'aime pas du tout Logitech au niveau des webcams. Je vais préférer maintenant autre chose, mais bon, bref. Pas des vraies caméras, quoi. Pic-pic. Let's go, let's go. Ah, il faut que je le one-shot, là. Bon, attends, je vais changer parce que ça me saoule. Ouais mais Luxio, je préfère un type combat limite. Envoie un type combat, ça sera largement mieux. Ouais, non mais là, je suis obligé, tu vois. T'en es où d'ailleurs, toi, sur le jeu? T'as un peu avancé ou pas? D'ailleurs, demain matin, je vais live, je pense, aussi. Bah là, je vais live peut-être tous les matins jusqu'à que je termine le jeu, en fait. Hein. Et que, voilà, j'ai fait la plupart du Pokédex, on remplit le Pokédex, etc., etc. J'ai quand même envie de jouer au jeu, je l'ai pas acheté pour rien. Et, bah, oui, c'est surtout ça, j'ai surtout envie de jouer, quoi. Ah, c'est pas mal, sabotage. Nice, chat. Batterie faible, non. Ah, ma net va s'éteindre. Au secours.
va s'éteindre, va l'aide. Vite, branche la manette, Nucrins. Attends, je vais check où je suis rendu. Ah, pareil, tu m'as dépassé, hein. Pareil, tu m'as dépassé. Mais c'est possible, parce que moi, j'ai fait que 2 heures de jeu, donc... Oh là là, ça y est, je mets la manette à la charge, donc ça va lui faire du bien. Après, Floraville, sûr. Oui, Floraville, ouais, bon, ça va. Ouais, il est super embêtant. Regardez, Rose Bouton, mais c'est un Pokémon très, 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 très stratégique en soi. Mon dieu, je vais galérer. Non, mais c'est bon, tu dors, t'es déjà au max. Il est super stratégique, ce Pokémon, c'est abusé. Ah, mais il va... Et du coup, là, regarde, vu que je suis moins rapide, et il régène. Ah non, c'est bon. Oh là là, il était en forêt vestigion. Ah, mais ça va, t'as bien avancé. Ouais, t'en es presque au même point que moi, ça va. Ça va, ça passe. Ouais. Après, un pouf et monter à niveau, c'est top. D'ailleurs, là, je crois qu'il va évoluer au niveau 36, normalement. Encore ce Pokémon. Mais putain, mais elle en a pas marre d'avoir... Alors, Rose Bouton, très chiant, en vrai. Vas-y. Non, mais il va régène, regarde, hop. Utilise repos, donc forcément, là, il va régène. Blablabla. Ça va, maintenant, je le souviens, j'ai XP une heure dedans. Ah. Ah, il y a des Pokémon plus embêtants que d'autres, et là, je viens d'en avoir un qui est assez embêtant. Allez, attaque en premier, Machoc. C'est... Là, il faut pas qu'elle régène. Si ça... Ah, c'est bon, voilà, bam, et c'est ciao. Voilà, c'est bon. Pour avoir plus de shiny, d'avoir un shiny. Ah oui, c'est vrai que... Les shiny, je devais pas les faire encore. Je sais même pas si je vais les faire tout court. En vrai, je pense pas. Vu que deux par contre... Deux par rencontre. Moi, je pense pas que je vais les faire... je sais pas. En vrai, je vais surtout augmenter le niveau de mes Pokémon. Je vais capturer les légendaires. Je vais faire le Pokédex et après, on verra. Mais le Pokédex, ça va prendre du temps déjà. Il y a 3 arbres. Attends, quoi 3 arbres. Non, elle est pas là. Non, parce qu'il y a 3 arbres. Alors oui, j'ai pas... la dernière doit être par là, normalement. Où est-ce qu'on passe, ici? Ok. Elle est là, c'est bon, je l'ai vu. Ah, ça va, elle a un Pokémon. Et c'est qui? C'est Rose Bouton. Non, ça va. Oh, c'est Tortipousse. Moi, j'aime bien Tortipousse, en vrai. Tortipousse, si je peux le capturer, si je peux l'avoir, je vais pas... Je vais peut-être le petit capturer, le petit... Ah, le petit... Ah. Allez, let's go. Oh, je vais peut-être crever, moi. Ouh là, oui. Ouais, je suis mort. Bien joué. Ouais, c'est juste que j'aurais dû régénérer mes Pokémon. J'y ai pas pensé, c'est bon. C'est bon, ok. Mais lui, il va peut-être pas pouvoir régénérer de suite en soi. Parce que j'ai encore Luxio et Machoke là derrière. Je prends mon temps à chaque... Merci. Ouais, c'est quand... J'éternue beaucoup en ce moment, mais c'est la poussière. Faut que je nettoie mon bureau. Let's go. Allez. Ah, mais il est relou avec son Balgren, mais il est super relou. Attaque-le en premier, hein, c'est bon. Ouais, je vais aller vite soigner mes Pokémon. Hein. Ouais, il est méga relou en vrai. Ouais, mais le type feu que je viens de capturer, malheureusement, voilà, il est très bas level. Ponyta est bas level, donc... se trouve à 4 fleurs. À côté de 4 fleurs. Tu déconnes, il y a encore un quatrième. Ah ouais. Bon, alors attends, parce que je vais aller régénérer mes Pokémon.
Ah mais non, si je les régène là, peut-être que... Non. Tu ne peux pas l'avoir. Ouais, mais après, si, il y a moyen peut-être dans des échanges ou quoi, quand t'as un deuxième jeu Pokémon. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'achètes le Pokémon Perle ou fin Diamant, tu prends à chaque fois le Pokémon de départ, tu fais l'histoire du début, et puis après tu fais l'échange, tu vois, tu captures un. Et puis tu recommences l'histoire. Ah oui, bah oui, oui. Mais c'est parce que je compte me prendre le deuxième jeu pour ça, d'ailleurs. Enfin, pour ça et pour avoir d'autres Pokémon que je n'ai pas sur Perle, etc. Et vise aussi bah, avoir pas mal de Pokémon sur Diamant, tu vois. En fait, Diamant, je vais me faire l'histoire, mais en solo, pas avec vous. Diamant, ça va être juste pour moi, quoi. Genre, c'est vraiment de mon côté, tout seul, tranquille, quoi. Enfin, c'est pas sûr que je le fasse de suite, parce que, voilà, j'ai pas... Ah, mais lui, il est... Non, mais il est KO. Ah, bah ouais, non, mais je suis obligé d'aller... Non, mais dans les deux cas... Moi, j'ai pris Vistikam au cas où tu en voudrais, hein. Bah, après, tu peux te le garder, hein. C'est t'inquiète, hein. J'espère que je vais pas devoir recombattre les 4 dresseurs, là, parce que ça va être très embêtant. J'ai juste besoin d'aller me régénérer. Ce qui est un peu normal, c'est parce que j'ai pas de... Attends, je vais voir si... S'ils ont le truc de KO, là, tu sais, pour animer les Pokémon qui sont KO. Les rappels. Ça existe ou pas, ça? Ou pas encore? Ah, ça existe pas encore dans ce jeu, d'accord, ok. Ok, c'est fantastique. Faut juste qu'on ait un bébé métamorphe pour faire... Ah mais ouais, c'est pas con ton truc en fait. Ah bah oui, putain, oui, je suis con. C'est qu'il y a les métamorphes. Ah mais oui, j'avais complètement oublié. Ah c'est vrai, tu viens de me... Ah ouais. Ah c'est vrai, il y a les métamorphes. Putain, j'avais complètement zappé. Ah, tu as découvert ma cachette. Oh là là. En même temps, t'en as une autre et t'as Poucave. T'as une autre et t'as balancé, donc Roselia, waouh, incroyable. D'ailleurs, la reine a une Roserad. Mais ah, Luxio, je sais pas s'il va faire l'affaire. Mais attends, mais j'ai pas régénéré mes Pokémon là. Oh la blague, oh la blague. Je vais crever ça. Oh, oh, je suis mort. Je suis mort. Mais j'ai pas régénéré mes Pokémon. Non, mais je suis débile en fait. Oh là là, putain, je parle beaucoup, mais les échanges, c'est après la ligue. Je sais pas si c'est même, tu peux les faire avant. Aucune idée. Peut-être en vrai, je sais pas. Oh, je suis dans la merde. Je suis vraiment dans la merde. Méga sensu, mais c'est au taquet cheaté ça. C'est au taquet cheaté comme attaque. Non mais je vais devoir... Non mais je peux même pas abandonner le combat. Ça sert à rien, je suis mort. Tu roules sur le jeu. Non mais ouais, là je roule sur le jeu, mais là... Mon pote, je me fais rouler dessus là plutôt, ouais. Non mais là c'est sûr, je suis mort. Et la ligue rigole pas, ouais mais c'est ça. La ligue, il faut être niveau minimum des Pokémon qui soit niveau 80. Au moins 60, ouais au moins 80. Max avec des vrais stats et tout, ouais c'est ça qui va être chaud de ouf. Mais méga sensu, mais arrêtez, mais c'est trop cheaté. Putain mais regarde-moi ça, c'est trop cheaté. Non mais c'est bon, je suis mort, ouais vas-y. Mais c'est ridicule, je suis mort là. Attends, on va mettre potion, même si elle va refaire encore méga sensu. Mais combien de fois elle peut le faire ça? À un moment, elle est obligée d'être confus. Au bout d'un moment, la méga sensu, ça te rend confus. Ah, je sais, je m'y connais parce que je l'ai... Oh, mais il est trop cheaté. Ce Pokémon là, il est trop stratégique, Rostrad, c'est abusé. Pour ça, je pense que là, dès que j'ai moyen de le capturer, je le capture. Hein. Ah ouais, Roselia, rose bouton là. Je vais le capturer. Hein. Il est trop cheaté niveau, niveau drainage et tout. Non mais il est vraiment trop bâtard le truc. Mais attaque pour une fois, arrête. Mais méga sensu, bon il faut arrêter les gars. Oh là là, la vie qu'elle m'enlève, c'est énorme. T'as 60-65 avec les EV max des Pokémon à l'élite 4.
Ouais, mais la maître de ligue, je parle. Merde, j'ai attaqué balayette. Oh, je suis trop con. Voilà, en tout cas, je suis mort. Ok. Regarde, elle régène, hop, et c'est bon, elle est déjà full. Ah, mais j'ai un type feu qui a 6 PV. Wouah, je vais me prendre enfin mon premier KO. Heureusement, mais bon, bref. Bon, pas que je t'aime pas, mais on va te régène de suite. Non, mais j'ai pas été dans une... non, je suis débile. Ok, tu utilises un pigraine. Ok, si j'utilise flamèche, t'es mort. C'est la deuxième version de la ligue. Ah oui, voilà, c'est ça. Attaque. S'il te plaît, attaque flamèche parce que c'est hyper efficace. Oh, c'est hyper efficace. Pas du tout, même. Méga sensu. Oh, ça va en soi. C'est pas hyper efficace contre un type feu. Intéressant, intéressant. Non mais regarde, elle fait que régène à chaque fois. C'est terrible, c'est terrible. Oh. Horrible son Pokémon, horrible. Allez, flamèche, s'il te plaît. Oh là là, méga sens. Toujours plus abusé, tu sais. Allez, voilà, je m'en vais, voilà. Ah, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est incroyable, c'est infinissable le... Il me reste 4 HP gros. Non mais t'inquiète, on repart du début. Par contre moi je peux régénérer entièrement donc... Méga sensu, je te jure, tu vas te le mettre dans le UK. Et ton truc drainé là, allez c'est parti, le truc qui est drainé aussi, nanana. Un set grâce au poisson feu ou pour les attaques VC. Ouais je sais, là j'ai que... Bah là j'ai que... Non j'ai pas, j'ai pas un Pokémon comme ça malheureusement, c'est ça qui est un peu chiant. Bon, on va essayer d'attaquer comme ça. Ouais mais c'est infini ça, c'est interminable ce combat. Bon allez 2K, même si je suis bas level tant pis, j'attaque parce que... Oh là là, mais regarde, regarde-moi ça quoi. Coup critique en plus. Je vais jamais l'éliminer comme ça. Bah je suis mort. Je préfère me laisser tuer, je vais me laisser tuer, va, parce que ça sert à rien, ça sera interminable. Ça va être trop long, je préfère recommencer à zéro. Bah de toute façon je suis mort là. Allez c'est bon, je suis mort. C'est bon, je suis mort. Allez hop, on repart à la... Yes, c'est cool, tant mieux. Youpi. Non mais je préfère me laisser crever, ça va plus vite. Ah, il est trop bas level mon Ponyta, donc ça sert à rien, tu vois. Oh là là, le vainqueur a gagné 300... Oh là là, 336 Pokédollars. J'aurais dû aller... J'allais au centre Pokémon, mais j'ai pas pensé en fait. C'est pas grave. Je préfère limite rebattre tous les Pokémon que j'avais. Car c'est pas perdu, tu vois. C'est juste moi qui jouais débilement en fait. Mais est-ce que je vais devoir rebattre tous les dresseurs ou pas du coup? C'est ça que la question que je me pose. Normalement oui je pense. Hein. Bon déjà on va essayer de battre elle. De toute façon je sais où elles sont toutes alors c'est pas très grave. Attends, attends. Mais là cette fois-ci je vais pas me laisser faire. Hein. Là clairement tu vas prendre cher. Hein. Attends, mais Roselia, tu sais...
Voilà, t'inquiète, draine-toi, vas-y, utilise méga sensu ou je sais pas quoi, frère. Tu vas crever en enfer, tu vas voir. T'inquiète, t'inquiète, j'ai tout prévu, j'ai tout prévu. Régène, vas-y, amuse-toi, régène. Hyper embêtant, t'inquiète. Allez, c'est bon, un coup, c'est bon. Empoisonné, c'est pas grave, t'inquiète. Ah, tu régènes un petit peu, t'inquiète. Ah, là, c'est bon, normalement, elle est morte. Vas-y, vas-y. Et voilà, c'est fait. C'est vrai qu'il faudrait que j'ai un type vol ou un type glace. J'ai pas forcément pensé, ça pourrait être bien aussi ouais, d'avoir un type... De toute façon, il me reste deux Pokémon à capturer. Je pense qu'un type vol et un type plante serait parfait en vrai. Mais un autre type feu que Ponyta, parce que Ponyta... Voilà quoi. Il ne reste plus que notre championne, nice. Je vais juste aller dans le sac vite fait. Antidote, utiliser... Vas-y, nice. Allez, impeccable. Et ben voilà, quand tu veux, tu peux. Ta-da-da-da. Ah, elle va être chaud à battre en vrai. Ouais, ouais, elle a que des Pokémon hyper, un peu embêtants, quoi. Mais je crois qu'elle en fait, elle a Rose Bouton, Roselia et Roserad en fait. Je crois que c'est ça. Je sais plus si c'est les trois ou je sais plus comment elle les a. On va voir. Bah, elle a que des types insectes ou des types plantes. Soit type plante, soit type insecte. Je crois que c'est que des types plantes. Suribou. Bon, Suribou, ça devrait aller. Mais c'est son troisième Pokémon qui va être hyper embêtant. C'est Roserad, c'est sûr. Enfin, j'ai quelques souvenirs quand même, mais... Vas-y. Croissance, ok. Bon, si tu veux. Allez, encore une troisième fois. Ah, bien joué, putain, ça fait mal quand même. Une super potion. Oh, mais non, mais elle est cheatée de ouf. Allez, elle aussi, ça y est, elle triche. Sur son premier Pokémon directement, tu sais. Tu vas pas tricher très longtemps. Et là, elle va réutiliser encore un truc ou quoi? Ça fait mal ça, ça fait très très mal, je vais pouvoir me... Ouais. Normalement je devrais le battre là, logiquement. Voilà, c'est bon. Ça va être tendu hein. Niveau 19, je suis que niveau 21, c'est très serré en vrai, mais le niveau que j'ai. Niveau 19, tu vois, c'est... Ça reste très 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 chaud. Envoie une Tortipousse. Bref, changer de Pokémon, non. Mais par contre, je vais mettre une petite potion quand même. Une petite potion, c'est quand même pas mal. Ça va le requinquer un peu. Elle est impeccable. Il va utiliser 20 pigraines, je suis sûr. Tranche herbe, ok. Ah, ça fait mal de ouf. Hein. Bah, sur les types comme Primeplouf, ouais, c'est pas très... Ça lui a fait à peine quelque chose. La protection, comme de par hasard. Ah bah ouais, mais je veux jouer la sécurité. Tu veux jouer, on va jouer. Ok. Ouah, ça lui a rien enlevé, gros. Ça lui a rien enlevé. Ah ouais, je m'attendais un peu plus. Allez, allez, mais y'a quoi encore comme type que sur les types plantes et insectes? Tu m'as dit glace et poison.
Il va utiliser encore Trancherbe. Faut que je régène encore. Ah voilà, c'est bon. Excusez-moi pour le pour l'arrêt du stream, mais c'est bon, vous m'entendez bien? C'est bon, vous m'entendez bien? Ouais, excusez-moi, ça a complètement bugué. Putain, j'étais trop bien là. Ouais, le live est un peu bugué, désolé. C'est bon, tout est correct? Je sais pas pourquoi ça a bugué. On t'entend pas, MDR. Oui, si, si, tu m'entends, si, si, c'est bon. Mais non, je sais pas pourquoi ça a bugué. C'est même pas ma connexion internet. Non, mais je vous jure, c'est vrai en plus. C'est même pas ma connexion internet, c'est quoi ce bordel? Je sais pas du tout. Moi, j'étais. On était en plein combat, j'ai pas. Voilà, je suis là en fait, j'ai mon prime plus, il est mort. Ouais, je sais pas trop pourquoi ça a fait ça. Attendez, j'ai juste relancé la page Twitch pour voir. Pour voir un truc. Ça a relancé le live à 49 minutes? Ok, bon, ça va, c'est cool. Ouais, c'est moi qui ai coupé d'un coup, j'étais obligé parce que je sais pas pourquoi c'était. Ça a fait nimp. Voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Ponyta, Luxio déjà. J'ai même pas de rappel, je risque de me faire niquer, mais complet. Mais on va voir. Une morsure, ça peut être bien, ouais. Bon, moi, il manque le dernier Pokémon. Ça va être dur. Là, ça va être dur. Ça va être assez compliqué. Voilà. Au niveau 15, nice. Allez, Ponyta va prendre Nitro Charge. Oh, Nitro Charge, ça peut être ultra cool, ça. Roserade, son dernier. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me disais aussi. Et Nitro Charge, par contre, on va enlever Mimikeu. Allez, let's go. Un Nitro Charge, ça peut lui faire effet à Roserade. À mon avis, ça peut. Si vraiment la Ponyta peut me sauver, ça serait nickel en soi. Non, continuez sans changer pour l'instant. Je vais l'affaiblir au maximum avec Luxio. Ah, Roserade, elle est. Mais c'est un bon Pokémon, je disais. Il est très stratégique. Ouais, il est beau. Ah, il est beau en plus dans la version. Ah, dans cette version-là, il est très très beau. Qu'est-ce que je veux dire dans cette version-là? Parce que c'est une version bah, Switch. Pas une version DS. Du coup, c'est pas mal. Une d'herbe. Je sens que je vais galérer. Oh, oh, oh oui, je vais galérer. Je sens que ça sert à rien de le. Ouais. Mais je suis obligé de lui enlever au taquet de vie si. Attendez. Bah, putain, j'arrête pas d'éternuer. Merci. En tout cas, enfin, pardon. Pourquoi merci? Bon, et de toute façon, j'ai plus que ça. Vas-y. Hein. Ah, je suis mort. Ouais, putain. Non, je vaux pas le coup là. Ah, les chiens, t'as avec son Roserade. Va falloir que je monte de niveau mon Ponyta. J'ai pas le choix. Ouais, bah ouais, j'ai pas le choix. Faut t'attaquer maintenant. Ah non, pas Parasport.
Mais non, pas ça. Qu'est-ce qu'elle est relou, mais c'est incroyable. Je déteste ce Pokémon. En tant qu'adversaire, il est... Ah, Nitro Charge, par contre, tout d'un coup, je fais moins le fier. Hein. Elle va régène. Non, non, je vais péter un plomb. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, vas-y, vas-y. Pas nœud d'herbe, non, ça fait mal, nœud d'herbe. Ça fait plutôt mal, ouais. Ce n'est pas très efficace. Ouais, non, là, je suis obligé d'utiliser. Non, non, j'ai pas une faire fait. Ah, putain, ça va être chaud. Ah, ça va être tendu. Faut que je batte tous les dresseurs après, hein, si j'arrive à la battre. Hein. Tous les dresseurs du coin, hein, je vais monter de niveau, un truc de malade. Mais je suis obligé. Allez hop, ça de... Ouais mais non, mais elle va utiliser son truc là, allez voilà. Pire attaque ever. C'est un risque que je prends, c'est un risque. Allez s'il te plaît. C'est un risque. Non. Ah, oh, je suis mort, fais chier. Putain, je voulais qu'elle attaque en premier, pas cette vitesse. Casse-pied, c'est casse-pied. Putain, je me retrouve encore un KO là. Oh, je gère mal mes Pokémon, mais complet. Alors là, si je lui mets une petite bouffe là, un petit sabotage là, s'il te plaît, Machoke. Mais me fais pas ça, Machoke. Machoke, s'il te plaît. Machoke. Oui, c'est bon, on l'a eu. Oui, voilà. Oh, Machoke. Machoke, il prend 1300 d'XP. Prendre Grimace, je crois que Grimace c'est pas très ouf en soi. Ça fait quoi déjà? Mais je crois que c'est pas ouf du tout. Le lanceur fait une grimace qui fait effrayer l'ennemi et réduit beaucoup sa vitesse. Bah d'un côté ça peut être bien par rapport au lanceur prend une profonde inspiration et se concentre pour augmenter son taux de critique. Ah ouais, mais ça c'est pas mal aussi. En soi, non, je vais rien enlever. Ouais, je vais renoncer. Et voilà, oh, je l'ai battu mais waouh. Fallait y aller quoi. Fallait y aller, fallait y aller. J'ai les peut-être déjà dit, mais tu es vraiment coriace. Tu n'as pas déjà trop dur en entraînant tes Pokémon jusqu'à... Ouais, bah en vrai, j'ai fait ce que j'ai pu. Oh, le petit badge. Le deuxième badge. Je vous donne le badge forêt qui va me permettre de pouvoir faire des coupes-coupes. De couper les arbres qui sont sur mon passage. Bah écoute, c'est pas mal. Ils t'ont bien rangé qu'au niveau 30. Bon, bah heureusement. De toute façon, là, on va falloir les monter niveau 30. On ne va pas avoir le choix. Ta 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 ta. Impeccable. Du coup. Et ben voilà. Très content, très très content. Le top du top ce Pokémon. Venons voir. On va aller. Ben on va aller déjà. Voilà. Non, non, mais non. Suis-je débile ou suis-je débile? Ouais, je suis à l'arène de Vestigion, ouais. Là, je vais vers l'arène de après. Mais là, j'ai déjà la Team Galaxy à faire. Je crois qu'à Vestigion, il y a des problèmes avec la Team Galaxy, il me semble. Ou c'est à Union Police, alors. Je sais plus. Heureusement qu'il y avait Galopa. Galopa m'a beaucoup aidé. Si j'avais pas eu un type feu... légèrement dans la merde, quoi. Tiens, c'est ici, je crois qu'il y a eu des problèmes avec le... Oh, fight! Nous rassemblons des Pokémon en vue d'une opération spectaculaire, nous ne tolérerons pas quiconque. Oh là là! À Vestigion, il y a des Fantominus. Ah oui, Spectrum, ça peut être sympa ça. Si tu en veux, ouais, Anka, ouais, peut-être, pourquoi pas. Oula, 4 Pokémon d'un coup sec, ça va être un... Je sais pas combien ils sont level, s'ils sont bas level ça va. Mais c'est vrai que moi je suis à peine niveau 20 sur certains Pokémon, donc ça va pas être terrible. Oh ça, ils sont niveau 13, ouais ça va. Ça va être juste un super entraînement. Attends, oui, super efficace sur Shunipot. Là je vais mettre une attaque de type O. Ah, remarque. Nosferapti, vas-y. Ah, faut faire l'échange, ouais c'est vrai, ok.
Oh là là, comment je les... Je les mange tout cru. Il m'a volé 2 PV, gros. Il m'a volé 2 PV, quoi. Allez, tu utilises charge. Ok. Ah, remarque, une attaque. Bah oui, vas-y, hein. T'as plaisir. Hein. Allez, voyons, vas-y. Ça monte de niveau, ça fait plaisir. Enfin, ça monte un peu l'XP. Allez. Moi, je vais me battre avec tous les teams de la galaxie. Parce que, enfin, les teams galaxie, bref, vous avez compris. Comme ça, moi, je me fais pas mal d'XP. Ça va monter mes Pokémon pour la prochaine arène, justement. Donc, c'est parfait. Allez, hop. Alors, ouais, là, ça va être assez simple aussi. Ben, on change pas. Quand j'aurai Phantom Lisp puis Spectrum, si tu le prends pour l'aventure, on pourra avoir Ectoplasma. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être... Enfin, Spectrum, oui, tu veux dire. Oui, enfin, Phantominus, Ectoplasma et Spectrum, c'est ça? Ouais, je sais plus trop. Ah, il va être... Ouh, ça c'est chiant, ça, comme type d'attaque. Ça baisse la vitesse. Bon, à la rigueur, je suis peut-être moins rapide qu'eux, mais bon. N'empêche pas que vous allez crever. Je l'ai même pas paralysé, Chaglam. Il baisse encore ma... Là, c'est la défense, je crois. Non, c'est la vie. Ah, l'attaque. Ok. Bon, toi, c'est fait, c'est ciao. Petite morsure. Ok, bon, peut-être encore un peu. Voilà, deux attaques, c'est sûr. Chaglam, c'est ciao. Ouais. Oh là, la petite griffure. Oh là là. Et voilà. Et c'est bon, ça. Nickel. Et les sbires de la team Galaxy. Attends, j'ai reçu un truc. Ah oui, non, mais c'est restream. Comment est-ce possible? Tu n'es pourtant qu'un... Et ouais. On a connu Rolem par échange normal pour évoluer. Ouais, c'est ça qui est. Ah, moi je veux trop tous les battre. Je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Ah, mais je les fais tous. Hein. Je les fais tous parce que d'un côté ça me monte de niveau les Pokémon. Donc. Ça, j'en serais débarrassé. Oh, chenipote. Ouais, c'est ciao. Dans mon avis, ça va être un chaos technique de suite. Oh, il a résisté, ok. Allez, vas-y. Allez, on est parti. Niveau 22, allez, ça c'est bon ça. Faut vraiment qu'ils arrivent tous plus haut que niveau 20 en vrai. Ah ouais, j'aimerais bien. Mais surtout, en fait, mon Ponyta, s'il arrive plus de niveau 20, c'est parfait, quoi. Enfin, en vrai, il faudrait que j'arrive 25-26 pour la prochaine arène, ça serait bien. C'est le but, là. Ok. Ah, il y a Magmar, Electek. Ah ouais, Electek, Rhinocera. Ah ouais, pareil. Avec un objet, un sécateur aussi. Ouais, mais ça, c'est... Oh, j'espère que... Oh, ça serait trop bien qu'il y ait des échanges magiques. Ça serait grave stylé en vrai. J'avoue, ça serait stylé de fou. Enfin, je sais pas si je vais tous les faire du coup parce que... Pff, ils ont pas l'air si forts que ça et puis en plus de ça, tu passes devant, ils te disent rien, regarde. Bon voilà, au pire. Bon là, je suis obligé par contre. Non, parce que ça, c'est pas une perte de temps, mais s'ils sont pas de haut level, ça fait pas monter le niveau beaucoup, quoi. À la rigueur, peut-être Ponyta, du coup, mais pas... Allez, hop, c'est ciao, Chunipot.
Des bisous. Tintin. Alors, continuer sans changer. Ah bah vas-y, de toute façon on a que ça à faire alors. Vaut mieux parler à tous, tu dois avoir tous les Pokémon régionales pour le Poké Radar. Ouais ouais c'est vrai. Vaut mieux tous les capturer, c'est ça que tu veux dire? Enfin oui, vaut mieux tous les avoir, oui de tout, dans tous les cas je vais les capturer tu vois. Mais je me demande qu'est-ce qui pourrait être dans mon équipe tu vois. Avoir une équipe de bâtards. Ça, il y a beaucoup de gens qui commencent à y jouer à Pokémon Perle. En vrai, ça fait plaisir. Hein. Pour le Pokéradar, pas besoin de les capturer. Ah, juste les voir, c'est tout. Ah, ok, ben ça va alors. $768 Poké-dollars, mais c'est beau gosse. Ah, lui, je suis obligé de... Allez, là, hop. Ah merde alors. $156 je crois. Putain, entre bail et éternuer, j'en peux plus. Ouais non mais c'est horrible, Super Team c'était 210, ouais mais c'est possible, ouais fait, je sais plus combien exactement. Ah la Kazam, il est horrible. Pourquoi je vous dis ça, il est assez horrible parce que... Il a son mur là qui... Kazam peut être un bon Pokémon aussi. Si tu le joues bien. Niveau 16, 21, ça monte petit à petit. Le Nico, le scientifique. Kadabra, oui, enfin, oui. Kadabra, oui. Je suis perché. Ok. Laissez-moi tranquille. Je vais te fight. Elle a la poreille. Mais est-ce qu'on peut les avoir, les Pokémon comme ça, qui se promènent? Ça serait trop bien. Moi, j'aimerais trop avoir un Pokémon qui se promène comme ça à côté de moi. Moi, j'aime trop, en fait. Ça, c'est le truc que j'aime trop sur le jeu. Bon, ça fait rien de spécial en soi, mais c'est stylé, quoi. Au lieu de les avoir dans ces Pokéballs là. Je pense que c'est possible dans ce jeu peut-être. Je sais pas. Je sais pas si c'est possible ou pas, on va voir. Mais je crois pas. En vrai, dans la version DS, c'était pas possible. Mais peut-être que dans la version Nintendo Switch, peut-être. C'est peut-être une petite nouveauté. D'ailleurs, la nouveauté qu'ils ont mis, c'est de mettre le multi-XP directement dès le début de jeu. Alors... dans les expéditions souterraines où tu as des trisotores. Oui, où tu as des trisotores. Ok. Mais dans les expéditions souterraines alors quoi. Ils se promènent à côté de toi les Pokémon. Ou c'est juste tu peux avoir des trisotores. Des tritosaures, putain, je vais y arriver. Non, moufette. Enfin, moufler. Moufette. Bon allez, la Team Galaxy, tu vas pas me prendre la tête plus longtemps. Peut-être un petit pic-pic. Prolactine dans certaines pièces. Ah, il se promène dans certaines pièces, ok. Prolactine, alors ça, je connaissais pas ce mot, mais oui. Ton correcteur d'orthographe est pas mal. Il est très sympa. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme Pokémon qui peut le battre Je sais pas trop, type feu peut-être ou un type combat. Ah mais moi aussi ça me le fait tout le temps, j'ai horreur du mon correcteur d'orthographe. Des fois il me met un mot, j'étais là, mais non mais c'est pas ce mot là que j'ai envoyé. Du coup des fois ça donne de ces mots, des fois quand t'envoies dans les messages à tes potes. La mode ah ok. Ouais sur tel, ouais non mais t'inquiète hein, c'est... Après tu peux l'enlever c'est vrai, mais bon d'un côté c'est bien de l'avoir aussi, des fois c'est bien, ça t'évite d'écrire un mot tu sais que tu sais pas écrire. Oh laisse tomber, son moufleur il est au taquet, bâtard.
Il est vraiment badass, hein. J'ai même pas eu le temps d'attaquer une seule fois. Mais le problème c'est que... Vas-y, Vendetta, mais je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'effet. Lance-flamme, mais oui, mais bien sûr. Ah voilà, enfin quelque chose qui... Oh, il va régène. Encore lance-flamme. Non, 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 mais attends, résiste. Hein. Résiste, résiste. Oh, sérieux. Du coup, des fois, ça a enregistré... Et... Ah oui, d'accord. Bon, pas que je t'aime pas, mais je commence à pas trop t'aimer, là, en fait. Gaz toxique. Mais il est relou, ce Pokémon, en vrai. Mon flair, là, il a l'air assez stratégique, en soi. Allez, j'aimerais bien qu'il soit paralysé. Mais même pas. Ah ouais, je suis très nul pour connaître ma table des types, je t'avouerai. Hein. Je suis très très nul à ça. Je connais même pas ma table des types. À peine, tu vois. Genre, je sais que le feu contre la glace, machin, mais il y a certains Pokémon, je connais pas leur type. Lui, tu vois, c'est, j'arrive pas à savoir quel est... Donc là, je sais très bien que je me trompe. Mais Ouh, ça commence à faire mal. Peut-être régène mon Pokémon, non? Le temps passe trop vite avec ce jeu. C'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Ça fait combien de temps que je suis sur le jeu d'ailleurs? Ah, ça fait une heure. Ouais, bah ouais, déjà, tu vois, ça passe. Oui, c'est vrai, j'avoue, ça passe vite, ouais. J'avoue, j'avoue. Mais je connais pas le type de ce Pokémon, je crois. Je sais pas, il attaque de type feu, il attaque de type poison. Je connais pas, j'arrive pas à le cerner, ce Pokémon. J'arrive vraiment pas à le cerner. Je sais plus du tout. Il y a des Pokémon, je connais pas du tout leur type. 7h30 et toujours à vestige MDA. Allez, attaque éclair, ouais. Oh, mais crève, bordel. Poison ténèbres. C'est possible. Poison, ouais, c'est sûr. Mais ténèbres, oui, c'est possible, ouais. Bah vas-y, hein, étincelle, avait besoin, j'ai plus rien à perdre. Je suis mort. Ok. Ouais, mais les attaques, j'ai pas d'attaque de type sol, donc dans les deux cas, ça risque d'être un peu tendu. Je suis mort. Oh non, mais ouais, je suis mort. L'ennemi est faible, mais si j'attaque pas en premier, c'est moi qui est le plus faible. Donc du coup, on va choisir la sécurité. Mais j'ai pas le choix, en fait. Sinon, je suis mort. Voilà, et là maintenant je peux attaquer. Buldo. Ah, je suis pas sûr ça y fait. Il a évité l'attaque, nice. Bon, dans tous les cas, il est mort. Voilà, j'ai chaud. Mais s'il a un autre Pokémon, ça va être difficile. Enfin, si elle a un autre Pokémon, ça va être très 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 difficile. Niveau 23, bon, ça va. Voilà, et à chaque fois, ça se joue à un Pokémon. Hein. Dès qu'il en reste plus qu'un, c'est mort, quoi. Bien quelle force qu'importe, nous avons fini d'examiner la statue. Grâce à toi, la Team Galaxy se sera rapprochée. Comme il se doit. Ok. J'allais soigner mes Pokémon, tu vois déjà. Ah, j'ai hâte d'aller pouvoir aller dans une... Je crois qu'il y a une ville où tu peux t'habiller, tu sais. Genre, il y a une ville où tu peux, tu vois, tu peux t'habiller un peu et tout, trop cool et tout. Ah, je sais plus. Oh, ça c'est relou qu'il faut l'enlever à chaque fois, ça. Bon, une fois c'est bon, pas besoin d'enlever 36 fois, enfin de l'enlever 36 fois le truc. Ah, mais c'est pas le gars de la... des bicyclettes, là? Ah, si, ça doit être lui. Allez, vas-y, soigne mes Pokémon. J'aimerais bien qu'on me soigne comme ça, tu sais, tu rentres dans un putain de boîte là et on te soigne en 2 secondes comme ça. Oh là là, ça réglerait tellement de choses.
Ah, je crois que c'est lui qui a les bicyclettes, il me semble. Ah, c'était bien lui. Ouais. Une bicyclette. Je te suis. Offre-moi cette bicyclette. Dis-moi celle que tu veux. La bleue, la rouge. Ah bah moi une bleue. Hein. Ding ding. Ah elles sont stylées en vrai. Ah c'est stylé. Pour changer de vitesse, une troisième vitesse, le cycle n'est pas très rapide mais elle est plus facile à manier. Elle va très vite et permet de gravir les pentes impraticables autrement. Sur toutes les sortes sans problème, ok. Ça c'est trop bien en vrai. Ça c'est le truc trop bien de ces jeux là je trouve. Des petits véhicules comme ça. Ah, mais je trouve ça trop stylé en mode chibi. Non mais je vous jure. Je sais pas si je peux aller là. On me dit pas que tu n'as pas d'explorer kit. Tu devrais en toucher deux mots à l'homme qui habite à côté du centre Pokémon. L'explorer kit. Ah, les vélos sur ces jeux là c'était trop cool. Je crois qu'il y avait moyen de monter ces niveaux de Pokémon. Ah, ah ouais, je crois qu'il y avait un bug comme ça. Alors l'explorer kit, ouais je sais plus trop ce que c'est ça l'explorer kit, mais oui ça me dit un truc. Ouais c'est pour trouver des Pokémon je crois ou des trucs comme ça. Je suis bien le visionnaire qui a pris l'initiative de creuser les grands souterrains. Tu peux ah voilà c'est ça, c'est les... ouais c'est peut-être les souterrains, ok ouais ok. C'est comme ça qu'on m'appelle, hein. Je vais te faire un cadeau, tiens fais-moi plaisir, utilisez le bon à bon escient, vous obtenez l'explorer kit. Titi, oh yeah. Je te ferai, ok. Ah, tu veux me faire un petit tuto. Tutoriel de Papy Explora Kit. Les grands souterrains, ce n'est pas bien compliqué. Il te suffit d'utiliser l'Explora Kit. Mais attention, il ne fonctionne ni à l'intérieur ni dans les grottes. Allez, dépêche-toi de t'en servir. Ah ouais, tu tombes direct dans les directs. Tiens, je rencontre... Oh, c'est ta première fois ici, non? Bienvenue dans les grands souterrains de Sinnoh. C'est un gigantesque réseau de galeries qui serpente sous Sinnoh. Quoi, tu veux savoir ce que je fais dans un tel endroit? Il y a tellement de choses à faire ici que j'aurais bien du mal à te servir. Ah, c'est stylé, en vrai, tu peux aller dans des endroits comme ça. Oh, mais ouais, t'as la carte en haut. Ah, c'est stylé de ouf. On peut déterrer des trésors, se construire une base secrète. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la base secrète. Oh putain, j'avais complètement zappé. Si tu veux en savoir plus, tu devrais parler à l'homme des souterrains à Vestigion. En fait, pour retourner à la surface, quand tu es grand souterrain, passe à appuyer sur Y. Ah, c'est vrai qu'on peut avoir une base secrète. J'avais complètement zappé ça. Retourne à la surface. Bon, on explorera plus tard, mais en vrai, c'est stylé. Alors, tu as réussi à descendre dans les grands souterrains. Bon travail. Voici ta récompense. Vous obtenez une sphère rouge S. Vous obtenez... C'est quoi? Enfin, bleu plutôt. Enfin, toutes les couleurs. On peut trouver des Pokémon que l'on ne croise pas ici. Il n'y a rien de plus amusant. Tes aventures sur le terrain ne font que commencer. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à venir me voir. Ok, papy. No problemo, papy. Je te retiens. La bicyclette. Je veux la bicyclette. Ah, attendez. Ouais, nous, on fait même du vélo dedans, tu vois. Oh, man. Oh, man. Un fight. Fight de vélo. Le petit fight. Il a... Ah, c'est de type O, non? Ah non, il tourne vol, ok. Alors, voyons voir. Bulldo, hein, ça devrait... Je sais pas si on peut aller en bas. Je sais même pas s'il fallait aller dans cette direction. Oh là là, KO technique de suite. Mince alors. Et tour vol et KO. Oh, j'ai gagné le combat. Mince alors. Ta-da-da-da-da-da. Comment je te l'ai battu. Ciao, mon pote. Allez, je fais exprès, pour gagner un peu d'XP. Ah, voyons voir. Ken. Putain, ils ont des pseudos, n'empêche, c'est assez hilarant.
Ah ben Tipo, c'est parfait contre Ponyta, c'est parfait. Ça va, le live il marche là. Hein. Parce que pareil, je me suis dit, pareil, ça marche pas encore, ça va bugger là. D'accord. Ah mais il est KO. Et c'est ciao. Et nous ça nous fait donc pas mal, c'est cool. Allez, 816$, pa. Oh là là, j'ai pris les bons chemins. Oh là là, j'ai tout. Ah, oh, je les ai presque tous brain. Oh non, je les ai presque tous brain. Allez, la cycliste. Elle envoie un Lixie. Waouh. C'est incredible. Alors, attendez, 2 secondes. Je regarde un petit truc. Je vais voir si mon, mon logiciel s'est bien installé. Oh, j'ai l'impression que le logiciel Logitech s'est installé correctement. Ah, ou pas. Il veut pas s'ouvrir en tout cas. Toujours au même point, c'est fantastique, on adore, on kiffe, j'adore. Ok, nickel, vous êtes prêts? On est parti. Ah ben voilà, Lixie, c'est ciao. Direct. Envoie un autre Lixie, bah vas-y, c'est un problème, un petit buldo, ça te fera pas de mal. Allez, je vais t'exploser la... Vas-y, c'est parti. Et ben voilà. D'ailleurs, Ryolu va faire partie de mon équipe, ça c'est certain. Ah mais il est trop bien type combat, je vais le remplacer contre Machoke. Enfin quand je pourrais l'avoir bien sûr. Mais là on va où du coup, je sais même plus. Là j'y vais et j'avance sans pression. Attends, on va où là? Je peux pas voir. Ah non mais la carte elle est là. Donc là on va à Charbourg. Et Charbourg j'y suis déjà allé. Ah ouais, en fait ça revient à rejoindre peut-être mon couronné pour après aller tout là-haut et aller à Frimapic. C'est pas l'heure d'aller à Frimapic là? Ou Celestia, je sais pas si je peux y aller à Celestia ou Union Police tout de suite. Soit ça va être ça, donc là avant d'aller au mont couronné on va aller à... Putain, je sais plus le troisième badge, attends je vais regarder mon truc de badge. Déco capsule, dirigez-vous vers le sud en printemps. La piste cyclable, ça d'accord. C'est où pour voir mon Pokédex? Enfin, voir les badges. Attends, mais je vais voir les dresseurs. Ah, c'est le type combat, donc ça doit être à Union Police. C'est pas Frimapic. Frimapic, c'est après. Ouais, c'est bien après Frimapic. Ok. Oh, il est là. Enfin, elle est là. Aurore. Ça avance, ton Pokédex est bien, ce n'est pas génial, mais ce n'est pas catastrophique non plus. Mais on n'est pas là pour parler de moi. J'ai un petit truc pour toi. Choisis une main. Donc, allez, gauche. Bravo, tu as gagné un cherche combat. Waouh. Je savais que tu ferais le bon choix, Annecy. Vous obtenez le cherche combat. D'accord. Dans la poche, objet rare. Ça, c'est beau gosse. Ok, ils veulent se battre. Nanani. En fait, tu as une Pokémon. Bah oui. Dans ce cas, je te donne aussi cette application. Tu l'as bien mérité. En fait, dans les deux cas, si c'était la main gauche ou la main droite, tu m'aurais tout passé, quoi. La Pokémon Transsoi, elle est bien, mais bon, je vais pas la laisser. Mais c'est pas mal, c'est un bon petit truc. Mais avant, elle était sur les deux écrans, c'est ça qui est dommage. Ce côté deux écrans, j'aimais trop sur les DS. En vrai, je kiffais grave. Et là, de plus avoir deux écrans, c'est bien à la fois pas cool, tu vois. Oh, un combat double. Waouh. Eh ben, on va voir tout ça. D'ailleurs, tu joues là en ce moment, Dan, à Pokémon ou tu te poses juste demain sur ton tel, tranquille? Juste pour ça, enfin, voilà, pour ça. Par curiosité.
Oh, même pas Shirizu. Oh, ça peut être... Je vais attaquer les attaques de type eau sur Ponyta, déjà, pour commencer, ça c'est sûr. Et ensuite, attaque de type... Bon, peu importe, morsure, ça ira très bien. J'ai switch sur l'ordi. Ah, t'as switch sur l'ordi, nice. T'as changé, t'es passé du tel à... Ouais, c'est mieux d'ailleurs. Tu me vois un plus grand. Mon Ponyta, tu dégages. Allez, chat. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'ai prévu d'aller à Toulouse Game Show. C'est une convention de jeux vidéo, de culture asiatique. Enfin, j'y vais tous les ans, donc j'y vais cette année aussi. Donc voilà, pour information. Voilà. J'y vais le dimanche. J'y vais qu'un seul jour, c'est à Toulouse. Donc c'est pas trop loin de chez moi, c'est à une heure de route. Merde, non, eh non, mais non, qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, Buldo, ouais, pas Shirizu, ouais. Je joue, j'XP sur Vestigion et Tourvol en 11 boutons. Oh, mais ça va, en vrai, tu es bien, hein, t'es même mieux que moi. Hein. Ouais, l'event va être bien la semaine prochaine, mais je le fais dimanche, pas ce dimanche-là. J'y vais dimanche prochain. Et du coup, oui, ça va être sympa, ouais. Il y a beaucoup de monde, il y a énormément de. En gros, ouais, t'as des jeux vidéo, t'as beaucoup de. C'est là où j'ai acheté mes posters. L'année dernière, j'ai acheté les posters là, j'ai acheté quelques trucs. Donc voilà, si je mettrai peut-être, j'achèterai peut-être quelques petits trucs là-bas. J'irai faire mon petit shopping de jeux de culture asiatique, quoi. On va voir. On verra, on verra. Frempouf, nice. Ponyta, elle est que level 18, hein. C'est pas terrible, hein. Non, Vantardise, non. Ah bah le Goku, ouais pareil, le Goku aussi, le Goku, le ouais, enfin le Goku qui est à ma droite. Bah là vous le voyez pas bien d'ailleurs, on pourrait... Ouais mais non, la caméra serait pas centrée. J'ai hâte d'avoir une perche pour la caméra parce que... Là tout de suite ça va pas être possible. Peut-être si je pouvais gagner autant de thunes que dans la vraie vie, la 1064. Ouais je l'ai acheté là-bas aussi. Donc là cette année je sais pas ce que je vais acheter, je vais voir. Des choses qui vont m'intéresser, quoi, on verra. J'aimerais bien acheter pas que peut-être My Hero Academia. Enfin, d'autres mangas en fait. Peut-être du Naruto. On va voir. Elle me voit un Rakayu. Un Rakayu sauvage vient m'attaquer. Je vais le défoncer. Le défoncer. Il est trop stylé, j'ai. Non mais j'ai compris, t'avais pas besoin de préciser. Oh je te jure. Ah j'avoue qu'il est stylé en vrai. Oh Archéomir, tu dégages. Ah oh presque KO. Je suis dégoûté. Et coup critique en plus. C'était un coup critique. Je pensais pas que c'était un coup critique à la base, mais ok. Allez, pique-pique là et ça dégage. C'est quoi? C'est un Pokémon de type psy, non? Et ouf dans l'animé. Il est vrai que oui. Mais oui, vu que c'est l'Ultra Instinct de Goku. J'avoue que dans le Dragon Ball Super, c'est le plus stylé, ouais. Très très stylé d'ailleurs, je sais pas s'ils vont refaire un Dragon Ball ou pas. On va voir. Ah c'est là où t'apprends le surf. Peut-être. Ah il est là lui. À l'aide. Je crois que c'est le chef de la team, non? Que le mont couronné soit à l'origine de la région de Sinnoh. Dans un monde, dans un nouveau monde, enfin dans un monde nouveau, un monde où seul le temps s'écoulait et l'espace... S'étendait, le conflit n'aurait jamais dû exister. Mais qu'est-il arrivé à ce monde? Le conflit s'est répandu, je ne parle des combats Pokémon, mais des conflits de l'âme et des émotions, nanana, les êtres humains, blablabla. Bla, 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 bla. Ouais, bon, mon pote là, dégage, voilà, hein, ça ira plus vite.
Et l'autre, mon perso, il le regarde en mode ouais, ok. T'as l'air un peu bizarre, toi. On te l'avait peut-être jamais dit, mais t'es bizarre. Moi, je vais aller à Union Police en fait. Quand il le maîtrise, là, tu te dis que même si les dieux le destruction, c'est une vraie marque de respect. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est qu'il a atteint le niveau des dieux en fait. Je sais que c'est là où on trouve Dialga, enfin Palkia, Dialga, tout ça. Enfin, la Palkia, du coup, vu que c'est la. C'est Pokémon Perle. Oh le fight. Oh le fight que j'ai évité. Ah, je peux pas l'éviter le fight là. Mais tu m'embêtes. Je voulais éviter le fight. Je peux pas éviter le fight à cause de Papy. Non. Non mais faut que je m'entraîne. Dans les deux cas faut que je m'entraîne. Je suis pas bon pour le... Après si c'est que de type roche. C'est de type roche ou de type combat? Quoi prends l'eau? Non j'ai pas envie de prendre l'eau. Et Onyx. Ah niveau 19 déjà, ça commence à piquer. Mais ça commence un peu à piquer. Allo, oui c'est x4, bah oui normal. Non mais ça j'avais compris que les types sol et roche c'était faible contre l'eau. Eh non c'était efficace contre l'eau pardon. Mais oui. Fight! Vas-y, fight! Fight! Brrr, fight! Donc là, c'est même. Là, je suis sûr, c'est pas de type. Mais là, j'ai quoi? J'ai Luxio, Primpouf, Machoke et Ponyta. C'est pas une équipe très. Ah, Pitrini. Ah, Pitrini, c'est de type insecte, si je dis pas de conneries. Donc de type feu, ça pourrait être. Bon, après, niveau 16, tu me diras. Voilà, pic-pic, ça ira. Je sais pas, non, je pense pas que Pic-Pic fait beaucoup de dégâts. Oh, bah si, ça va. J'allais dire oui, Pic-Pic, ça devrait aller, mais c'est bon. Oui, c'est bon, c'est correct. Ouais, mais là, j'ai pas de type roche. Donc, je fais avec. J'ai pas tout. J'ai que 6 Pokémon. Hein. Je peux en avoir 6 max. Hein. Donc, dans mon équipe. Hein. Donc, voilà quoi. Oui, il y en a, ils peuvent avoir plusieurs types, c'est vrai. Ah, Roselia. Oh putain. Vite changer de Pokémon tout de suite, tout de suite. Ponyta, de suite. Ah oui, Bella, de suite. Ouais, tu vas faire. Aujourd'hui, tu vas battre Roselia, ouais. Plusieurs types d'attaques. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai, c'est vrai. Nitro charge, vas-y, mais lui, cher sa mère. Voilà! Ça, c'est efficace! Ah, je suis empoisonné, d'accord, ok, tout va bien. Fantastique. Ah, cette fois-ci, je me méfie contre Roselia, cette fois-ci. Un petit flamèche, ça devrait aller, c'est bon, c'est bon. Allez, ciao, ciao. Ratara, ratara. Oh là là, Ponyta, mais nice. Détruis-le! Ben là, du coup, ouais, j'arrive à la Union Police en fait. Mais je vais pouvoir m'entraîner parce que. Là, clairement, j'ai besoin d'entraînement. Ah, il y a l'autre qui va arriver. C'est pas Aurore là, c'est sûr. Eh? Ah merde! Ah oui, attends. Ouais, heureusement que tu étais là. Sans toi, mon Laporez ne se sera enfui. Allez, petit Laporez, rentre dans ta Pokéball, s'il te plaît. Je m'appelle Karen, je suis l'une des juges de Super Show Concours. Ah oui, les concours! Passe à la salle des concours, je te remercierai comme ils se... Ah, mais les concours sur... Ah oh, ouais, ils étaient trop bien. Mais ça donne quoi, les concours, du coup, en version 3D? Enfin, version 3D, enfin, 2D, enfin, chibi, tu vois. Oh, cette ville, elle était pas mal du tout, aussi. Je vais aller soigner mes Pokémon, parce qu'ils sont un peu... Je vais essayer de voir si je peux avoir des rappels, aussi.
Non mais des Pokéballs j'en veux pas. Mais t'as que ça? Bah tu me sers à rien en fait. T'es pas arrivé ici toi? Bon on y va. T'as les rappels c'est pas encore putain c'est à quel... Je crois qu'il y a le safari. Non, il n'y a pas le safari ici. Je sais plus. Oui, je sais que t'as Vestigion, mais bon, quand même. Bon, t'as vu comment j'avance là? Bon, remarque, ça fait 2 heures que je suis sur le jeu quasiment. Ouais, ça fait 1h30. Au moins 1h30, c'est sûr. Ah, 1h30, ouais, tu vois. Bah, c'est ça, 1h30. On avance petit à petit. Bienvenue au sein de nos souvenirs les Pokémon. Non mais c'est bon, tu t'es déjà occupé de mes Pokémon. L'arène doit pas être trop loin. Eh ben, le concours Pokémon est là. Mais je crois qu'il faut que je gagne oui voilà. Il faut que je gagne le concours Pokémon pour pouvoir après aller sur l'arène. Au super show concours, tu vas voir, ça va être fun. Il s'avère que Chimera, la championne d'arène du Nimpolis, est aussi un pro du super show. Mais c'est toi, je sais de quoi je parle parce que c'est moi. Waouh. Salut Antonup, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Mais d'abord, tu dois devenir plus fort. Bah déjà, je vais au show concours, tu vois, déjà. Déjà, pour commencer. Ça va ou quoi? Antonup, tranquille? Ah, c'est ma maman. Nickel, et toi, beau gosse. Attends, mais ce n'est pas possible. Ah, mais là, tu dois connaître. Je ne suis pas allé super chaud concours. Gna, 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 gna. Nickel, et toi, ben, ça va très, très, très bien. Voilà, on se fait un petit live comme hier. Hier, j'ai pris Perle. Du coup, je suis chaud pour finir le jeu, du coup. J'ai pris la version Perle. Tin, tin, tin. Elle est là. Trop bien, le jeu. En vrai, il est top. Oh, ça va. Très content. Ça rappelle de mon souvenir, mais là, c'est un mode chibi, du coup. Ah, fallait que je le prenne. J'étais en mode, non, je le prends pas et tout. C'est la mère d'Aurore. Ouais, je crois, il me semble, dans la série. Oui, c'est possible, ouais. Je me rappelle plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu Pokémon. J'ai pas regardé un épisode de Pokémon. Ça fait très, 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 très longtemps. De t'entraîner un peu pour ça, rends-toi au comptoir à droite. Oh, j'ai la flemme de m'entraîner, gros. Moi, je vais participer de suite. Je peux participer? Allez, vas-y. On va faire un concours, ça va être rigolo. De beauté. Oh là, ouais, frère, me demande pas grand-chose. Grâce, intelligence. Je sais pas. Allez, de beauté. Tous les mecs que je connais ont pris Perle. Ancienne championne. Moi, j'ai un pote à moi qui préfère. Mon meilleur pote préfère Diamant. Cordiatrice. Bon, je me rappelle plus. Oh là là, t'as des bons souvenirs hein, parce que moi. Normal. Attends, méga et tout. Non, mais faut pas exagérer non plus. Participation possible. Ah, bah oui, normal, mon prime pouf. Je sais, c'est une beauté sans précédent, tu vois. Tiens, vas-y, fais une bulle d'eau, voilà, en attaque, et puis ça ira très bien. Sélectionner un look. Mais c'est trop stylé, en fait, les concours. Moi, bon, après, sans parler Pokémon, je préfère Diamant. Ah ben ouais, le look, voilà, look show concours. Aïe, 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 aïe. Nukrin, ça a le meilleur look de l'année, ça y est, niveau normal. Tan, tan, tan. Le numéro 1, NC et Primplouf. Et le numéro 2, Karim et Quacko. Waouh, c'est mardi. Je voulais prendre diamant de base, mais j'ai pris perle pour les échanges avec un pote. Vous voulez diamant du coup. Ouais, moi c'est pas. En fait, moi perle, déjà c'est sûr, c'était perle. Je l'ai aussi sur. Je l'ai là-haut, regardez. Merde, attends, il faut faire quoi là? Primplouf nous met un plein de vue. Ah ouais, merde, mais je fallait pas.
Attendez, je suis obligé de jouer parce que sinon... J'arrive pas à faire d'excellent, tu vois. Merde, je l'ai pas tenu, hein, je suis con. Je suis pas très bon. Hein. C'est mon premier en même temps, donc... Oh nice Anti hein. On va lui mettre cher à ce Pokémon de merde. Je sais même pas comment ça se joue. J'ai pas trop compris exactement mais. Trop lent. Ah oui, il faut retoucher après. Oh mais merde. Ah ouais mais ah merde. Bon ok c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et oh et oh oh oh. Ah, je vais pas être premier comme ça, moi, je peux le dire. J'ai perdu, c'est ça. Mais il faut être trop chaud! Il faut être trop chaud. Oh, ça brille dans mes fesses, là aussi, là. En vrai, si ça va, il faut pas être si chaud que ça. En vrai, je peux gagner. Putain, c'est rapide en vrai les concours par contre. C'est ultra rapide. Un saut beauté. Ah, nous espérons que vous comptez parmi nos... Ah ouais, ok. Non, mais comme je vous disais il y a 2 secondes, j'ai un jeu Pokémon là-bas aussi. Là, c'est le Pokémon Perle et j'ai Platine aussi. Du coup, voilà. C'est pour information. Ah là là là. Bon, ben voilà. Je m'attendais pas à ça. Mais j'ai pas envie de m'inscrire. C'est bon, c'est bon, ouais, c'est bon. C'est bien les concours, mais ça va 2 minutes. Je vais juste soigner mes Pokémon. Je pense qu'ils sont tous en forme. Ouais, c'est bon. Mais par contre, j'aimerais bien les entraîner. Je vais les entraîner parce que je vais prendre cher à la ligue. Enfin, à la ligue, à l'arène. On va aller faire un petit entraînement. Je sais pas si je peux aller plus loin là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Kentella, espèce de fumier. Vous savez comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé le fumier. Peut-être live jusqu'à 14h, ouais. Ah! Ah, je suis grave motivé pour finir le jeu donc. Tu m'as encore fait attendre, Nancy? Bah oui, je t'ai fait attendre, ouais. C'est plutôt toi qui me fais attendre. Espèce de bâtard. Pardon. On va voir à quel point on a progressé ici maintenant. T'es un dresseur maintenant, tu dois toujours être sur le qui-vive. Ouais ou pas. Alors on pleurniche pas, on s'enfuit pas et c'est parti pour un combat. On était rival, ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est un petit bâtard. Non, c'est bon. Le fumier est envoyé Tourmi. Mais attends, je vais envoyer Galopa. Pas Ponita. Oh, remarque, même Primeplouf, ça suffit. Mais non, mais une attaque de type O, ça suffit simplement. Mais oui, ça suffit. Ciao. Bye bye. Ah, par contre, son type plante va m'emmerder un petit peu. Mais bon, je prends Ponita, ça devrait suffire. C'est bien parce que d'un côté je voulais m'entraîner donc Boscara. Boscara c'est quoi comme Pokémon déjà? Boscara. Eh hey, mais en français il s'appelle pas comme ça. Attends, c'est Tortipousse. C'est Boscara. Tu sais, j'ai pas souvenir que c'est ça. Ah, il a dû le renommer. Ah, mais je sais pas. Oh, je sais plus la deuxième transformation de Tortipousse. Bah si ça... Merde, j'ai mis une attaque de type... Oh non mais je suis trop con. Non mais je vais changer de Pokémon. C'est Boscara la deuxième. Putain, j'ai des doutes. Ah, j'ai de petits doutes, voilà. T'as une Tortipousse. Ah, c'est quoi la version, les deux versions qu'il y a après là? Ces deux évolutions. Non, pas 2 fois d'affilée, ça serait bien. C'est Boscara, putain, ça fait bizarre, je m'en rappelais plus du tout. Ah, Boscara et Torterra, ok, ok, bah, je m'en souvenais plus. C'est pas grave s'il est mort, c'était pas... C'est question d'affaiblir son Tortipousse, la fin de son Boscara, là.
Luxio. Des pierres pointues transperces. Alors attends. D'ailleurs, j'hésite à faire un challenge pour le sub goal si on arrive à atteindre les 25 subs. Enfin, si on arrive à les atteindre. Mais je le trouve moche, désolé, mais pas fun. Mais moi non plus. En fait, on parlera pas de, du tout des de, let's play que t'avais prévu cet été qui m'ont jamais vu jour. Ah oui, non, mais clairement pas. Mais là, c'est pas un let's play en soi, c'est pas vraiment un let's play. Je le laisse sur la chaîne Twitch, je les mets pas sur. On verra si je les mets sur YouTube, sur la chaîne secondaire. Mais là, c'est juste vite fait, quoi. C'est question de m'amuser, quoi. Mais ouais, n'en parle pas des jeux que je voulais prévoir cet été. J'ai pas, pas forcément envie de continuer. J'ai changé de perspective, tu vois. Parce que comme tu peux voir, c'est un passe-temps, tu vois. Donc... Ouh, j'aurais dû mettre morsure, peut-être. Mais non, mais même morsure, ça aurait pas été efficace. Pas grave, je perds deux Pokémon, mais t'inquiète. Ouais, je sais qu'il y avait pas mal. Je les ai toujours marqués, les let's play. En vrai, je les ai toujours sur ma liste de téléphone. J'ai commencé Kakarot, mais c'est déjà un exploit. Mais je l'ai pas fini. Là, entre guillemets, c'est un let's play, mais il va pas durer. Ça va durer 4 ou 5 épisodes. Enfin. Enfin, ça va durer quelques épisodes, tu vois. Genre, c'est le temps que je finisse le jeu. Je vais essayer de, pourquoi pas faire le... En fait, dès que j'ai fini l'arène. Enfin, l'arène, la ligue. Je vais peut-être aller capturer des légendaires, etc. Mais je vais pas me prendre plus la tête ou quoi, tu vois. Malédiction. Oh, c'est pas top ça. Par contre, l'attaque est très stylée. Enfin, les animations des attaques sont stylées, on va dire. Allez, ciao, Boscar. Bon, ben, c'est deux Pokémon partout, du coup. Un pouf qui monte de niveau, c'est fantastique. Niveau 25. On voit Ponyta. Ben, un type O aurait été parfait. Mais bon, au pire, je vais continuer avec Machoke. Pour l'affaiblir au maximum. Il a encore deux Pokémon. Ouh. Mais oui, c'est prévu. Encore, je peux les faire, ces jeux-là. Je dis pas en tone-up, je te dis pas que je vais pas les faire. Mais pour l'instant, je suis pas... Je suis occupé à gagner de l'argent dans ma vie de base. Et après, pourquoi pas m'occuper de la chaîne Twitch un peu plus, tu vois. Après, ce qu'on peut faire, si on arrive à atteindre les 25 subs, je me relance vraiment à faire des let's play, si vous voulez, à la rigueur. Oui, ça peut être motivant. Mais du coup, avec ma team Mario Kart, on s'est inscrit à la Mario Kart Universal, une sorte de ligue de champions avec des divs et tout. Ah, ok. Mais je connaissais pas, tu vois. Après, le monde de Mario Kart, je connais, tu vois, mais la base, quoi. Ah, il y a Mustep, oui, ouais, c'est vrai. Mais bon, moi, ça me suffit avec Primepouf. C'était son record. Ouais, c'est ça. 25 subs, c'est mon record. Mon record, non, c'est 25 et quelques. On avait fait 25 subs. Là, on est 3 subs. Mais c'est juste que j'ai réinitialisé les stats de Tipeee Stream. Donc, du coup, il en affiche que 1. Mais en soi, vous êtes 3. En soi, il y a 3 subs sur la chaîne. Enfin, attends, je vais te dire. Attends, je te dis ça en direct. Il y en a 3, oui, exactement. Il y a Antonup et il y a. Alors, attends. Il y a Antonup, Arvolenix. Et je crois qu'il y en avait un ou un autre en plus, mais je vois pas. Non, je le vois pas dans les stats, mais il y, y en a un autre. Je crois que c'est Vola, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est Vola, Volacté. Oui, c'est Volacté, je crois, il me semble. Il me semble que c'est Volacté, ouais. Du coup, voilà. C'est très très possible. Mais le New Crane, il est trop chaud. Il est trop chaud, le New Crane. Spam. Il m'a filé un taquet de pognon. Nice. Faut juste que j'aille régénérer mes Pokémon. Du coup, t'as encore mis KO. Ah. C'est pas le moment d'abandonner. Je vais m'endurcir. Blablabla. Bla, 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 la prochaine. Blablabla. Bla, bla. Du coup. J'aille encore. Hop. Je vais entraîner mes Pokémon en fait là. Hein. Je sais pas s'il y a une ligue à Union Police ici ou pas. Oui, ici il doit y avoir une ligue, mais elle est tout à fait à droite. Pas une ligue, une arène. Plutôt. Bah, ça va, je vais être sur le 3ème 25 sub, ça va être compliqué, mais comme on dit jamais, dit jamais. Ouais, c'est ça.
Bah, il faut bien fixer des objectifs. Mais après, vu que vous êtes pas 25 personnes sur le live, c'est sûr que ça va être difficile, ouais. Ouais, elle est là, mais non, j'ai envie de continuer à me battre un peu plus, tu vois. Mais alors là, il y a quoi déjà? C'est quoi cet endroit déjà là? Je crois que je peux pas y aller, c'est sûr. Ah, si, je peux y aller. Square paisible. Ah, ouais, ça doit être le fameux. Ok, ok, mais je vais y aller plus tard. Bah, remarque, c'est des Pokémon intéressants. Rappelle-toi de la meuf quand t'es. Oui, je sais, ouais, ça, je sais, elle, mais. C'est quoi le square? Ah, c'est là où tu peux te prendre. Ah, ok. Ah, c'est trop classe. Mais pourquoi on peut pas faire ça dans tout le jeu? Mais pourquoi? Ça aurait été trop classe dans tout le jeu. Oh putain, j'adore me promener avec mon Pokémon, mais. Mais voilà, mais c'est trop stylé. Mais c'est trop classe. Voilà, juste ça, je trouve ça trop kiffant. Le Pokémon avec lequel vous vous preniez à l'instant semble vouloir encore marcher avec vous. Vous savez, je peux vous dire que les Pokémon ne renoncent pas au confort de leur Pokéball. Vous devriez essayer de vous promener avec ce Pokémon dehors en square paisible. Oh, allez, vas-y. Si les Pokémon te suivent après de ce que j'ai vu. Bon, on reviendra plus tard, j'ai un peu la flemme, la prime pouf, hein, mais. Mais en vrai, c'est stylé, tu vois. Ah oui, en fait, t'avais raison. Ah, c'est bon, c'est définitif, je kiffe Pokémon. Ah, c'est trop bien. Mais putain, mais c'est trop bien! Oh putain, on pouvait pas faire ça sur la version DS. Oh, c'est putain de stylé, sa mère. Ah, ben là, c'est. Ah ouais, ben là, c'est bon. Ah, ben là, c'est bon. Ah, ben c'est parfait. Et si je change. Attends, attends. Ah, c'est trop stylé! Ça rend l'expérience davantage plus intéressante en fait. T'as voyant avec Ponyta. C'est trop mignon, regardez, c'est trop. Ah, c'est vraiment mignon, c'est trop cool. Ah, j'aime trop. Par contre, je cours plus vite que toi, hein, galope pas quand même. Faut galoper un peu. Je crois que je vais pas pouvoir y aller ici. Ah, c'est dès que je sors dehors. Là, tu vois, je suis dans un. Oh, c'est trop cool. Tiens, on va peut-être capturer un nouveau Pokémon. Oh non, pas lui. Hein. Alors, tout sauf lui. Non, non, mais lui, je vais le fight direct. Oh, je le déteste. C'est pas un Pokémon que je kiffe du tout. Il est niveau 16. Allez, Buldo. Oh, remarque, je suis pas sûr que c'est beaucoup d'effets. Si. Non, tu vois, c'est bien ce que je me disais. Ah, par contre, c'est vraiment stylé de pouvoir se promener avec ces Pokémon. Ça, c'est cool en vrai. C'est peut-être vraiment le seul côté du jeu là. Vraiment, je vais kiffer. Oh, mais je suis con ou quoi? J'aurais pas dû prendre ça. Attends, un petit pic-pic. Peut-être que ça sera déjà davantage. En vrai, non, mais putain, je vais changer de Pokémon, hein. Pas terrible, hein. Soit Buldo, ça avait pas mal d'effets tout à l'heure. Je vais les entraîner, là, je suis obligé. Ok. A l'époque, j'aimais trop, vous savez, Pokémon Soul Silver et Aurora Gold avec les Pokéwalkers. Qu'est-ce que c'était stylé, ça. Ça, c'était putain de stylé, les Pokéwalkers. Je m'en rappelle et ça, c'était putain de bien. Ouais, les Pokéwalkers, j'aimais trop. T'avais un Pokémon sur toi et tu te. Ah merde. Bon, bah, un petit fight, vas-y. Hein. Tan 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 tan.
Bah d'un côté, Manzai. Oh. D'ailleurs, elle est de quel type la reine qu'on va faire là, la quatrième. C'est attends, c'est le troisième. Non, c'est le troisième badge, mais. Mais quoi, je t'ai arrosé, t'es un petit peu plante. Ça te va pas que je t'arrose, tu vas pousser comme ça. Oh là là, ça y est quoi. Je l'ai trop arrosé. Oh là 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 là. D'ailleurs, Antoneb, je sais pas si t'es encore là, mais demain il y aura encore un live sur Pokémon. Si tu veux venir, bah hésite pas. Écrase face, allez, je t'écrase dans la face. D'ailleurs, Kakarot, il faudrait que je reprenne Kakarot aussi. Je sais pas s'il y aura du Mario Kart. En vrai, j'aimerais bien faire la session Mario Kart, le tournoi de Ponce en vrai aussi. Ça m'intéresserait pas mal. Bah, demain, je suis dispo, donc normalement, je bouge pas. Bah, ma connaissance, non, j'ai rien de prévu à part dimanche prochain, je pourrais pas, c'est pas possible. Un Pichu, ouais, ça va être compliqué, je vais changer de Pokémon. Je vais prendre un type électrique. Mais, ouais, la semaine prochaine, non, je pourrais pas. Enfin, je vais être dispo pour les lives, mais pour quelques lives. C'est pour ça en soi que je live que quasiment les week-ends et le mercredi après-midi parce que d'un côté c'est là où vous êtes là en fait, vous êtes dispo. Alors c'est vrai que de live tous les jours des fois c'est pas forcément bien parce que vous êtes pas forcément tous là. Et là tu vois de live le vendredi soir ou le samedi, le dimanche c'est pas mal. Et c'était injouable car Ponce c'était pas là. Mais pourquoi? Ça veut dire que quand il est là c'était... C'est pire, enfin quand il est là c'est, ça devrait être pire logiquement. Enfin, je sais pas. Bah ouais, logiquement, ça devrait être pire. Parce que là, il y a sa communauté qui arrive, donc du coup, je sais pas. Oh là là, le chaos technique. Niveau 19, par contre, mon Ponyta, il est au taquet faible. Ouais, je vais faire tous les fights qui est à côté, parce que dans tous les cas, faudra les faire. Ah, une super canne, nice. Ben, c'est ma première canne, la canne à pêche, nice. Nice, 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 c'est cool ça. Dun, 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 da, da, dun, dun. Viens, je veux fight avec toi. Je veux fight avec toi, je suis trop chaud. Ah, tu veux pas fight avec moi? Tu veux fight avec moi? Vas-y. Je suis trop chaud. Ils ont que deux Pokémon, bon bah ok. C'est quoi Manzai, Monsieur Mime? Un Monsieur Mime aussi qui est très embêtant, hein. C'est un Pokémon très stratégique aussi. Attends, je reste si ma manette elle a bien chargé. Où est-ce qu'on peut voir ça? Ah oui. Manette. Je crois qu'elle est chargée là. Ouais elle est chargée. Quand tu es là, des... Alors, quand il est là, plus des mecs... Casu viennent, donc c'est plus spam. Et quand il est pas là, ben c'est random mais en full. Enfin, il y a un soit. En fait, soit il y a full mec chaud, soit il y a full mec nul. Ah ouais, d'accord, ok. C'est ça que tu voulais dire sûrement. Ponyta est bleu en shiny, ça flamme. Ah ouais, c'est vrai que c'est stylé. Megalopa devient gris. Allez, let's go. Presque un chaos technique. Oh, j'aurais peut-être attaqué Buldo sur Manzai. Ah ouais, j'ai été trop con. J'ai hâte d'avoir des types glace en vrai. J'aime bien avoir un type glace. Toi, t'es mort. Ok, et l'autre aussi, c'est bon. Ouais, je m'entraîne là, j'XP un peu parce que je sais très bien que la reine, je vais pas l'avoir comme ça. Je vais galérer de fou, mais vraiment, je vais galérer. Là, il faut que je monte le niveau de mes Pokémon à la blend. Mais qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut battre des dresseurs. Ça va plus vite. Regardez, tu vois, niveau 23.
Vous avez battu, waouh. Bon, moi je vous ai battu pour après, d'un côté ça ira plus vite pour après. Ça m'avancera pour après, ouais. Parce que pour la prochaine arène, il faudra les avoir au niveau au moins 30-35, tu vois. T'es un Pokémon, ah oui t'es un Pokémon qui aime se battre quoi, visiblement, ouais. Waouh. Mais je trouve quand même mieux, je l'avoue sincèrement. Je préfère ce jeu-là que l'ancien. Je l'avoue parce que tu peux te promener avec ton Pokémon. Tu peux, bah, y a, bah, les animations sont meilleures. Le graphiquement c'est mieux. Sauf, bon, le multi-XP un peu cheaté. Dommage qu'ils l'ont mis direct dans le jeu. Voilà, au lieu que ce soit qu'il XP toi un Pokémon un après, enfin voilà, un par un. Bon, après c'est une facilité. Mais je trouve, voilà, le jeu quand même largement mieux que le... Bah, après, heureusement, oui, tu me diras, oui, heureusement. Comme tu dis, encore heureux, mais d'un côté, ils auraient pu mettre un jeu Pokémon qui n'était pas forcément très ouf, tu vois. Ça aurait pu faire un flop total, même si c'était un remake, tu vois. Il vaut 45€ le jeu, heureusement que j'en ai eu pour mon argent, heureusement. Parce que dans des endroits, il a 60€. Sur le eShop, t'as dit, il était à 60€, et même pour le télécharger, je crois qu'il a 60 balles. Enfin bref, c'est... Enfin, non, c'est à Micromania. À Micromania, il est à 60 balles. Je vous conseille pas d'aller les acheter là-bas. Voilà, moi je l'ai acheté à Leclerc Méridien Culturel, où ils vendent des jeux, des trucs high-tech, etc. Et les jeux sont 10 fois moins chers. J'aurais pu l'acheter sur Amazon qui était à 44€ aussi, mais je l'aurais pas reçu de suite. Voilà, sur Amazon, il fallait attendre un jour ou deux, tu vois. Là, je l'ai acheté au Leclerc Culturel à 44€. Voilà, au même prix que j'aurais pu l'avoir sur Amazon, mais sachant que sur Amazon, j'aurais peut-être payé des frais de port. Alors que là, j'ai rien payé, j'ai payé juste 44€ de ma poche, j'y suis juste allé à ma voiture, et puis c'est tout. Ah bah oui, je préfère payer 44 balles que de payer encore heureux. Moi, je peux faire des économies sur certains jeux, mieux c'est. On n'a pas tous la bourse à Rothschild, hein. Donc voilà. Surtout dans des jeux comme ça, j'ai pas forcément envie de mettre 60€. Pourtant, j'aime le jeu, tu vois, j'adore le jeu, mais j'ai pas envie de mettre 60 balles. Le chaos technique de Monsieur Mime Junior. Ah oh, bah bah bah. Ciao. Rose bouton, mais attends, rose bouton. On va l'envoyer dans les pâquerettes. Une attaque de type ouais, pic-pic, c'est bien. Voilà. Ça va vite, hein, là c'est bien. En même temps, j'ai 10 niveaux de plus que quasiment, donc 11, pardon, 11 niveaux de plus. Ah, Melo, ça va être un peu plus chiant parce que c'est un Pokémon de type fée, ça, non? Ah, je sais pas si elle est type fée sur ce jeu. C'est un Pokémon de type quoi, ça, de base? Merde. Bon, tant pis, hein, on va mettre Pic-Pic. J'allais mettre peut-être Bulldo, mais ça va, ça reste efficace. Alors je dis pas que je vais live jusqu'à 14h, mais peut-être jusqu'à... Il est fait. Ah oui, de type fée, ok, mais je pensais pas que les types fées étaient sur ce jeu là, c'est pour ça. Poisson ou acier peut-être. Poisson ou acier. Un peu moins de mois, on est en 2022. Ouais, ça passe vite, hein. Mais ça m'empêchera pas de continuer toute ma vie à jouer aux jeux vidéo, tu vois, c'est trop bien les jeux vidéo. Mais je veux voyager aussi. J'ai prévu des trucs quand même, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, mais bon, je veux voyager aussi, tu vois. Ok, tu veux pas, bon, ok. Sois efficace, quand... ah pardon, contre l'effet, ok, ok. D'accord, mais moi j'aimerais bien fight des Pokémon, tu vois. Ah, y a plus personne qui veut me fight, en fait. Toi, tu veux te fight? Ouais, j'irai regarder après. Pareil, on va faire une petite pause de 5 minutes. Juste après. Ouais, on va faire une petite pause de 5 minutes après. Vite fait. Petite pause. J'irai boire un coup, machin. Enfin, une petite pause de 5 minutes. Je vous mettrai des pubs sur Twitch. Si vous n'avez pas activé les pubs, ben comme ça vous pourrez les regarder. Ça va me rémunérer un petit peu. Voilà, comme ça, n'hésitez pas à regarder les pubs. Ça soutient le stream. Vous pouvez me soutenir comme ça.
C'est gratuit, vous avez rien à faire vu qu'on est en pause. Alors, je mettrai 3 minutes de pub. C'est le max qu'on peut mettre sur Twitch. Quand t'es affilié. Vous aurez peut-être pas 3 minutes de pub. Hein. Et vous aurez peut-être 10 secondes de pub en fait. Hein. Ça ne peut que vous ayez que 10 ou 20 secondes de pub. Hein. Mais c'est déjà pas mal. On va faire comme à la télé. Pendant la pause, on met de la pub. Ça va, ça fait une pause sur 2 heures de live, ça va, tu vois. Et je préfère vous le dire quand j'envoie des pubs. Par contre, c'est vrai que quand vous arrivez sur le stream et qu'il y a une pub, bah, c'est normal, c'est comme ça, c'est moi qui l'ai mis en place. C'est une, entre guillemets, une case que vous pouvez mettre en place. Comme ça, quand la personne arrive et qu'elle a une pub, c'est chiant. Mais d'un côté, ça rémunère un petit peu le streamer. Voilà. Ouais, pas, ouais, non, mais dans les pubs de 5 heures à la télé. Ah ouais, mais là, c'est abusé. Là, c'est des pubs qui durent 10-15 minutes. Vous êtes full pub. Ça, c'est hyper chiant à la télé, ça. Mais ils gagnent au taquet de thunes, hein. Faut le savoir. Hein. Et la télé reste quand même un média très regardé. Hein. Par beaucoup de gens, que ce soit les vieilles personnes, les jeunes, etc. C'est encore quand même beaucoup regardé, la télé, qu'on le veuille ou non. Enfin, pas trop les jeunes, mais quand même. Beaucoup, beaucoup de gens regardent quand même la télé. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est un autre public. Puis c'est plus facile d'allumer une télé que de forcément des fois de regarder sur internet les informations, tu vois. T'as juste à cliquer sur un bouton, tu te mets sur la chaîne information et tu peux de suite. Bon, après, il n'y a pas tous les divertissements corps perdu, c'est quoi ça? On a souvent une pub par film. Aux USA, c'est toutes les 20 minutes. En échange, cette capacité n'échoue jamais. Ouais, j'enlève. C'est bizarre. Ouais, je vais la prendre quand même, mais je suis pas très serein, tu vois. Corps perdu, faudra que je teste. Je vais tester, mais je suis pas sûr de ce que ça donne quand même. Allez, mes crèves là, Pokémon là, bam. KO direct. Voilà. Enfin, j'aille dans un centre Pokémon, j'ai quasiment plus de. Quoi utiliser les attaques. Allez, let's go. Ah, mais si tu peux passer là, je pensais que c'était avec les la bicyclette. Vu qu'on a un peu entraîné les Pokémon, c'est top. Je vais revenir juste là-bas. Je vais aller soigner mes Pokémon. Et après, on va faire une petite pause. Une légère petite pause. Comme ça. Fin de 5 minutes, gros max. Ouais, parce qu'on va, si on joue au moins 4 heures. Par contre, pour les castornaux, fait pas d'attaque, ils attrapent le type O en évoluant le Conotor. Ils attaquent le type O en évoluant. J'ai pas tout compris là. Donc ça fait pas d'attaque contre les castornaux, ok. Ils attaquent le type O en évoluant le Conotor. Je suis désolé, j'ai pas tout capté là. Mais à la fin, j'ai pas capté. Oui, il faut pas d'attaque contre les attaques. Oui, oui, pour les... avec ton Pokémon. Oui, ça d'accord, ok. Oui, tu parles de Primplouf, fais pas des attaques contre le Castorno, quoi. En gros, je dois pas faire des attaques de type O avec le... contre le Castorno, c'est ça que tu es en train de me dire. Parce que c'est pas assez efficace. Ouais, tu sais quoi, on va se mettre dehors. Et attends, je vais enregistrer quand même, je vais quand même sauvegarder. Les sauvegardes, c'est... Ah oui, c'est là. Oui, c'est vrai qu'à l'ancienne, c'était pas comme ça. Mais bon, ouais, c'est pour ça, ça change. 3h48, ça va. Moi, grosse après-midi, pour moi, 15h, 16h30, tournoi. 17h, 18h, 21h. Oh, ça va. C'était pas très clair. Ah.
Mais moi j'ai un petit alors j'ai un petit programme aussi. Moi cet après-midi j'ai des tournages, j'ai deux tournages à faire. Donc je vais tourner la vidéo avec mes gants, donc les gants chauffants, à vous présenter. J'ai aussi une vidéo pour la chaîne marketing à tourner, des tutos, bref. Et peut-être un tuto aussi pour la chaîne principale, comment mettre des fonds d'écran, etc. Vous savez les fonds d'écran que j'ai sur les PC et tout. Je reviens après, je fais une petite pause de 5 minutes et j'arrive, ok? Restez bien sur le stream, j'arrive dans même pas 5 minutes et... bonne idée les gars, ouais bah ouais c'est pour ça, on est en hiver, c'est parfait, ça tombe bien. Et en plus moi je les utilise, ils sont trop bien. J'en reparlerai après sur les vidéos, voilà. Allez, let's go et à tout à l'heure. Et ne disparaissez pas, à tout à l'heure, j'arrive. Je vais mettre une petite musique quand même, petite musique Pokémon comme d'hab. Allez à toutes.
Re les amis. Re. Ah. Je mets un peu de chauffage, il fait un peu frais. On va jouer au jeu, c'est parti. Oh là là, on est sur Pokémon, incroyable. On va encore un petit peu XP, je vais pas vous le cacher parce qu'en vrai, je veux un petit peu XP parce que sinon je vais jamais y arriver. Allez, abattre la reine, je veux vraiment l'abattre d'un coup sec en fait. Pour ça, je vais XP un peu avec les dresseurs à battre et tout ça. Comme ça, je me serai avancé pour après. D'ailleurs, elle va où cette carte là? Parce qu'en soi, attends. Allez voir. Allez à Voilaroc. Ah, mais non, attends, ils me disent même pas d'aller. D'aller à l'arène. C'est bizarre. C'est un peu chelou ça. Attends, je vais aller à l'arène. Mais pourquoi ils me disent pas d'aller à l'arène? Ils me disent d'aller à Voilaroc direct. Ah, donc il faudrait peut-être que j'aille à Voilaroc d'abord pour après aller à. Oh, je sais plus, ça fait trop longtemps, il y a plein de trucs, je me souviens plus. Attends, c'est chelou ça, ça veut dire que je peux pas y aller là? C'est-à-dire que je peux pas tout de suite me fight contre... Si, c'est possible. Si, je pense que c'est possible, mais on va la faire après. On va faire cette arène là juste après. Là, je vais m'avancer un maximum. Non. D'ailleurs, vous avez les rediffs sur Twitch pour le moment. Je verrai si je les mets sur YouTube, enfin sur la chaîne secondaire. Il y a beaucoup de vidéos à mettre sur la chaîne secondaire. Il y a pas mal d'épisodes de Kakarot à mettre. Il y a 2-3 trucs quand même à mettre, oui, c'est vrai. Donc ça c'est fight, ça c'est fait, ça c'est fait. Dans le trou, dans quel trou que j'aille là-dedans? C'est une pierre en ruine. Ok, donc là, ok. Ah, tu peux passer l'autre côté. Ah, tu peux descendre, mais tu vois, il faut prendre la bicyclette, quoi. Oh, un Pokémon. Ah, que Notor, mais non, mais fais un Castorno. Oh là là, les Castorno, c'est bon. Hein. Commence à avoir un petit peu ras-le-bol de te voir. Ouais, au pire, ciao Castorno, quoi. Ouais, je crois que ça va être ça, ouais. J'ai la flemme, je vais me battre contre des dresseurs, ça va plus vite en termes d'XP. Les Pokémon comme ça, c'est assez chiant et... Allez, c'est quoi, c'est la tour comme... Il y a une tour là à droite. Je vais aller à la tour là après. Alors, viens voir. Du coup, vous avez eu des pubs ou pas?
Antonup, t'as eu des pubs ou pas pendant que j'ai passé les pubs ou pas du tout? C'est possible que vous avez rien du tout. Non, t'as rien eu? Ah bah ça peut arriver, hein. Des fois ça arrive que vous avez rien, des fois vous avez quelque chose. Enfin voilà. Je les ai passés après. C'est pas grave. Bah vu que vous, on est quoi? Il y a deux viewers, vous êtes deux? Ouais, deux ou trois viewers je crois il doit y avoir. D'ailleurs mon femme ne passe plus du tout sur live, enfin je crois pas en tout cas. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Alors il passait sur tous les lives, ou soit il passe mais et après il est peut-être occupé aussi, ce qui est normal. Mais d'ailleurs c'est ce qu'il avait dit, qu'il était un peu occupé sur certains trucs. Morsure ici. Presque KO, Meditica, vas-y. Forte pomme. Ouh, forte pomme c'est pas mal. Mais ça vu que c'est de type combat. Bon après de toute façon j'ai assez de level. Ah ils sont niveau 19 quand même. Ah c'est pas mal, là ça commence à devenir intéressant parce qu'ils sont niveau 19. Je me dis ah je vais peut-être gagner pas mal d'XP en vrai. Je peux gagner un petit peu d'XP. Ça va être sympa je pense. Attaque. Et il va y avoir aussi une vidéo setup 2021. Enfin hashtag 2022 parce qu'en soi il va y avoir une vidéo setup aussi, c'est prévu ça aussi. Et oui je l'avais déjà dit, ça fait un moment que j'en parle vu que là j'ai quasiment tout mon setup. Enfin j'ai tout. J'ai tout le matériel que je voulais donc en soi j'ai ma PS5, j'ai toutes les consoles que je voulais donc t'as eu 7 pubs? Non tu déconnes. Tu déconnes, t'as eu vraiment 7 pubs. Toi par contre tu t'es tapé toutes les pubs, Antonab n'en a eu aucune. Et toi tu t'es tapé toutes les pubs de la planète. Non c'est pas vrai. Tu t'es tapé tout. Non je déconne pas, ah ouais. Et mais Antonup tu me réécoutes sur quoi? Sur ordinateur avec Adblock ou parce que Adblock peut bloquer les... Ah non remarque non bah moi ça me bloque pas les pubs de Twitch. Ah ouais et oui putain je suis con, oui les subs. Et oui du coup vu que t'es sub tu touches pas les pubs. Ah ouais d'accord. C'est vrai que quand vous êtes sub vous êtes... Ah oui c'est vrai c'est une très bonne chose. Quand vous êtes sub à la chaîne. Ah, c'est pour ça d'ailleurs aussi que je continue un peu les lives aussi parce que là, vous êtes des subs aussi quand même. Mais et oui c'est vrai. C'est vrai que quand vous êtes sub à la chaîne, il n'y a pas de pub, c'est vrai. J'avais oublié. L'âme des Pokémon disparu. Mais on va aller voir ça. Je crois qu'il y a peut-être un Pokémon tout là-haut. Je crois que c'est Dark. Non, il y a peut-être Darkrai ici. Non il est pas là, non il est dans les airs de d'entraînement je crois mais il est pas du tout là. Moufouette. C'est des pubs de 15 à 30 secondes donc ça va. Ouais mais c'est en vrai ça c'est cool parce que d'un côté bah, ça fait de la. Ça réanimère quoi. C'est cool. Bon, peut-être pas beaucoup, tu vois, mais d'un côté, si je ne serais-ce que gagner que quelques centimes. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux te le dire en direct. Combien j'ai gagné. Je sais même pas. Je sais pas si je pourrais te le dire là de suite. Aucune idée. Tableau de bord. J'en ai aucune idée. Analyse. Statistique de la chaîne. Ah, peut-être. Je sais pas. Ça m'a rapporté 23 centimes, je crois. Ou... Oui c'est possible que... Ouais, ouais c'est peut-être possible que ce soit maintenant, je sais pas. Mais oui c'est possible que ça m'a rapporté 23 centimes. Voilà. Ben ça reste mieux que le mois dernier. Après le plus c'est les abonnements, hein. Bien sûr c'est les subs, c'est tout ça, ça c'est le truc basique tu vois de Twitch. Même pas, je suis même pas sûr que ce soit 10 centimes par pub, non c'est même moins que ça. C'est mal payé les pubs de Twitch. Hein. Les pubs de YouTube sont largement mieux payées que les pubs de Twitch. Les pubs de Twitch, c'est très très mal payé. À part si t'as beaucoup de viewers, à la rigueur, peut-être. Peut-être que si t'as beaucoup de viewers, c'est peut-être bien payé. Mais quand t'as pas beaucoup de viewers, c'est pas... C'est pas terrible. Non, non, à mon avis, ça doit être quelques centimes. Ouais, c'est deux bonbons, ouais. À mon avis, en vrai de vrai... là, t'as dû me payer peut-être 10... même pas 5 centimes, je pense, par pub que t'as regardé. Même pas. Peut-être 3 centimes, entre 3 et 4 centimes de par pub que t'as regardé. Ça doit être un truc comme ça.
Après, sur des milliers de viewers, ça doit être énorme. Hein. Sur des milliers de viewers, tu te fais quelques euros. Hein. Tu fais quelques dollars. Enfin, c'est en dollars. Mais tu te fais quelques dollars. Hein. Genre, si t'as 1000 viewers, tu mets une pub. Je pense que tu prends pas mal en vrai. Ah ouais. Bah, en vrai, tu sais, ça se fait. C'est un business. Hein. Twitch, c'est un business à la base. Donc. Quand t'es partenaire, en plus, quand t'es partenaire, tu dois gagner beaucoup plus. Parce que là, je suis affilié, tu vois. Mais quand t'es partenaire, tu gagnes 70% des revenus. Et là, je dois donner... Non, tu gagnes... non. Non, moi, je donne 70% de mes revenus, je crois, à Twitch. Et je crois qu'après, si t'es partenaire, c'est... Oh, je sais plus. Non, je sais plus exactement les statistiques. Je sais plus du tout. Après, je regarde sur internet les statistiques exactes de combien ils prennent en pourcentage quand t'es partenaire et quand t'es affilié. Quand t'es à peine en affiliation, ouais, tu peux gagner un peu, mais c'est. Faut voir. D'ailleurs, l'affiliation, j'adore ça. C'est un truc en ce moment. Bah, j'ai. Avec le programme de Amazon, c'est très rentable. Ta défense de Sengoku ennemi augmente. Bon, tu me casses un peu les pieds parce que visiblement t'as pas envie de crever. Sengoku a l'air assez chiant, va falloir que j'utilise autre chose. Je vais utiliser un autre Pokémon parce que bon, Sengoku contre Primpouf, t'as compris. Équipe. Un type électrique, peut-être que ça pourrait fonctionner. Il est de type eau, il me semble, Sengoku. Ouais, il est de type eau. Donc, ah, j'aurais dû mettre pas celle-là. Voilà, bon, ça va lui faire un petit peu de. Ok. Je vais t'éliminer. Armure, oh, qu'est-ce qu'il est chiant avec ça. Bon, dans tous les cas, ton armure, elle servira à rien. En ce moment, j'ai beau manger une pizza entière, j'ai faim dans les 2 ou 3 heures qui suivent. Ah, mais ça. Non, mais il a pas attaqué, mais quel bisu ce putain d'aller... Oh là là, mais il est nul à chier, mon Luxio. Ah, niveau 24, en vrai, c'est pas mal. Et là, je vais tester corps perdu. T'inquiète, t'inquiète. Je vais tester de voir ce que ça fait. Bon, maintenant, en tout cas, il est mort. Ça veut dire que je grandis. Ouais, c'est possible aussi. C'est possible. Et dans les deux cas, oui, après, si t'as énormément faim, c'est normal. Mais moi, en tout cas, de mon côté... qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je sais plus. J'ai oublié. Mais enfin, j'allais dire un truc, mais j'étais concentré sur le jeu en même temps. Mais... oh, merde. Attends, il y a une Pokéball, hein, je vais la prendre. Mais je pense que je vais vous faire quand même... Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais faire de plus en plus de live. Je pense que les lives, je vais quand même bien reprendre une activité un peu plus... J'aimerais, ouais. Faut que je m'organise, en fait. Alors, tu sais, les lives le matin, j'apprécie de ouf. En vrai, j'aime grave les lives le matin. Ah! T'es qui, toi? Ah! Tu m'attaques comme ça, là. Il a quoi? Comme Pokémon? Primpouf, ouais. C'est ciao. Voilà, ciao. Je l'ai décanillé. Niveau 23, ok. Ben, mon pote, tu comptes faire quoi, là?
En vrai, faudrait que je me lève, enfin que je me lève grave tôt tous les matins. De voir ta seule tête. Un rappel, enfin, ça veut dire que je vais pouvoir en acheter. Putain, il était temps. Ah, tu pouvais rencontrer les Pokémon aussi. Ah ouais, c'est là où tu trouves en vrai. Ça fait plaisir les lives. Bah ouais, je sais. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien live très tôt le matin. Je préfère, en vrai, ça m'arrangerait de live plus tôt le matin, faire mes tournages l'après-midi, faire le montage, le montage dès que je peux. Mais voilà quoi. Pour ça, un planning de live, ça serait sympa aussi, tu vois. Oh, Pichu. Enfin, Pichu, ouais, non, c'est pas Pichu. Ouais, je fasse un planning de live, je vais me le marquer d'ailleurs. Faire un planning de live parce que ça c'est un truc enfin et faire des lives de 8h à midi tu vois. Je vais tout faire pour faire 300 points mais putain. Moi je vais essayer de tout faire pour faire plus de 200 points si j'y joue mais je pense pas que je vais pouvoir y jouer. Enfin on va voir. Tu vois, live de 8h à midi, c'est pas mal. 273, c'est pas mal. À mon avis, si c'est ton record, c'est totalement possible. Franchement, à mon avis, ça se joue. Ça peut être totalement possible. Tu te les marques sur un... genre tes courses, etc. Moi, j'ai un graphique qui est pas mal sur ça. C'est sympa, tu vois. Ça aide beaucoup. Tu devrais essayer de, tu vois, de te marquer tes stats, etc. Ça peut t'aider, tu vois. Tu te dis, ah, cette fois-ci, il faudrait que je... Tu vois, enfin, ça peut aider un petit peu, même si les courses sont très irrégulières, ça reste quand même un jeu très aléatoire. Mais ça peut aider. D'ailleurs, j'ai pas de type électrique non plus. Mais le type électrique, c'est pas très ouf dans ces jeux-là, je trouve. Enfin, après, c'est mon avis, mais... Enfin, ils sont pas non plus hyper très avantagés sur... je sais pas. Bah, ils sont pas hyper efficaces contre certains trucs, mais... Je pense que je vais pouvoir m'attaquer à l'arène là bientôt. Hein. Niveau 26, ça commence à devenir intéressant là. Je pense que la troisième arène, on va pouvoir l'avoir. Hein. On gagne encore un peu d'XP, ça fait plaisir. Et là, j'augmente niveau 27. Putain, bien. Hein. Pareil, je vous mettrai les rediffs entières sur la chaîne secondaire. Si j'ai le temps de le faire aujourd'hui. Ah, c'est un truc que j'aimerais bien faire, ouais. Vous mettre toutes les rediffs. La plupart des rediffs que j'ai gardés, je vous les mets sur la chaîne secondaire, quoi. Même si c'est des vidéos qui datent. Merde, putain, je voulais monter. En fait, là, mon but, c'est de monter tout là-haut, en fait. Fight. Putain, y a que des fights, c'est abusé. Mais tant mieux, hein. Je sais pas s'il y a une récompense tout au bout ou pas, je sais plus. Ah, j'adore Cornèbre par contre. Magie rêve aussi. Je crois que ça s'appelle comme ça, Magie rêve. Non, Feu faux rêve. Corps perdu, est-ce que ça va avoir davantage d'effet sur Feu faux rêve? Je sais pas. Ouh, ouais, tu vois, je crois que Machoke là, il est pas très efficace. Oh la vache, il lui reste un PV gros. Eh ouais, ça n'affecte pas. Bah oui, je m'en doutais. Je suis trop con. Mais Bulldo, je sais pas si ça... Griffacier peut-être. Je pense que là, il est mort. Mon... Vite l'attaque. Oh, super gros. Putain, mais... Oh, ça sent la mort assurée là. Ça va être tendu là. Non, c'est bon. Le sabotage, ça fait du sabotage. A fait un site exprès pour faire les stats du tournoi. Ah ouais? Je savais même pas, tu vois, je suis même pas. Je sais pas. Merde, oui, bon, dans tous les cas, ça va attaquer le... Non, pas contre lui, mais non, putain. Je suis dégoûté. Ah, va falloir que j'aille au centre Pokémon, là, je commence à être...
Il me reste Ponyta. J'ai un rappel, remarque, si je pourrais faire un rappel sur, sur Luxio ou un truc comme ça. J'en ai un, oui, remarque. Griffacier, Buldo. Ben, Griffacier, ça avait l'air plutôt efficace. Mais Buldo, je crois que ça a aucun effet contre les... Mais on va tester, de toute façon, des fois, il vaut mieux tester que pas du tout. Ouais, tu rentres tes courses et tes scores, ça te fait la moyenne, ta courbe et une courbe de comparaison. Mais c'est pas mal. Et ça dégage. Attends, mais juste avant... Ah, il y a les deux vieux. Ouais, ça doit être bizarre, en fait. Je crois que je suis arrivé au bout, mais alors par contre, je voudrais un rappel. Allez, Luxio. Mais c'est bon, nickel. Allez, Mpec, comme ça. Ceux qui ont vécu très longtemps, les Pokémon qui ont... Ok. Tiens, prends CCT. La CCT 96, elle sert à quoi? Ah, c'est la capacité secret force permet de déplacer les gros rochers qui bloquent le passage. Ah, ça, c'est stylé, ça. Vous pouvez utiliser la capacité grâce à ta Pokémon... Ah, ben en fait, j'ai bien fait d'arriver là. Tu dois visiter une arène, mais je ne sais plus le... celle-ci où elle se trouve. Mais c'est une très bonne chose. Tiens, toi, je peux te parler. Une rune purifiante, ok. Bah c'est pas plus mal en soi, on a bien fait, en vrai on a bien fait d'aller là, c'était, il valait mieux aller là en fait. On a vraiment bien fait d'aller ici en fait. Franchement on a grave bien fait d'aller là. Alors attendez. Ouais, ok. C'est vrai que sur la chaîne secondaire, dites-vous que j'ai pas mis de vidéo depuis... Ah oui, depuis un mois. Deux mois même. Ouais, ça va faire deux mois. Ça fait deux mois que j'ai pas mis de vidéo. Ah ouais, deux mois que j'ai pas mis de vidéo sur la chaîne secondaire. Voilà. D'accord. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup, j'avoue. Mais je pense qu'on va pouvoir faire l'arène, hein, du coup. Oh, niveau 24, 25, c'est top ça. 21, ouais, ça commence à être pas mal, je pense. Tu vas prendre quoi? Hurlement, non, gardez, non. Monte niveau 21, ça c'est top. À mon avis, on commence à être bien, hein, niveau entraînement Pokémon là. Je vais me bouffer une bonne pizza. Je les ai tous battus ici. Ça a l'air. Faut encore descendre. 4 fromages. Moi les 4 fromages je les aime bien mais sans plus. Je suis plus chorizo. Pizza chorizo, c'est un délice. Un délice. Chaîne.